si monsieur voulait bien ne pas s'énerver. Mais je ne m'énerve pas, je constate que je n'entrerai jamais dans ce pantalon, c'est tout. Oh, on n'a pas idée de livrer un smoking aussi peu accueillant à un homme qui va manger du foie gras et des truffes. Ah, que monsieur me fasse confiance et se contracte au maximum, autrement dit, qu'il rentre le ventre, comme on dit dans l'armée. Monsieur est boutonné. Merci, Frédéric. Monsieur sent bien. Comme une guêpe enceinte. Le tissu va s'habituer petit à petit. Lui ou moi? Et vous croyez que j'arriverai à faire rentrer une chemise là-dedans? Jamais. Monsieur a encore la solution de passer son habit? Ah non, ah non, ça je refuse catégoriquement de me laisser couler dans le ciment armé un soir de réveil. Mais si monsieur ne se sent pas trop serré. Serré, moi? Je suis coupé de mes bases. Alors, il faut dire aussi que depuis quelque temps, monsieur aurait plutôt tendance à s'épanouir. Ah, vous voulez dire que je grossis? D'accord. La gourmandise, Frédéric, la gourmandise. Ah, si vous m'aviez connu il y a 10 ans, avant que je rencontre madame, j'étais mince comme un poignard. On a mis le poignard au fourreau. Monsieur devrait faire un peu d'exercice. Ah, mais j'en ai fait. J'ai couru plus de 10 fois chez le docteur Pénoursin pour le supplier de me découvrir une maladie de foie et de me mettre au régime. Il a toujours refusé. Ça, c'est étonnant. Un docteur? Oui, déjeune ici tous les mercredis, il s'est méfié du régime. Je ne suis pas trop congestionné. Monsieur, un teint de jeune homme. Bon, bon, alors je vais essayer de glisser une chemise entre mon pantalon et moi. Venez donc donner un coup de main. Ah, tu es là, chérie. Oh. J'ai besoin de toi 2 minutes. Oui, tu me laisses le temps de mettre ma chemise, hein? Pourquoi? Tu es très bien comme ça. On dirait que tu vas avaler des sabres. Frédéric, donnez donc sa robe de chambre, monsieur. Oui, tu veux me raconter le menu? Oh, non, chérie, tu le connais. Ouais. Huîtres et caviar, coquilles d'écrevisse, salade de blanc de poulet aux truffes, perdreau à la crème, poireau sabayon et biche de l'œil. Mais et bien entendu, c'est toi qui as tout fait. Ça, je dois dire. À part les huîtres et le caviar. Décidément, tu es la femme la plus épatante que j'ai jamais rencontrée. Oh. Tu n'as pas dû en rencontrer tellement. Tiens, pourquoi ça? Ah non, mais j'ai tout de même vécu pas mal de temps avant de te connaître. Et sous certaines latitudes où l'amour est présumé facile. Allons donc. Je suis sûre que tu as toujours eu une attitude très correcte avec les femmes. D'ailleurs, tu vois, je ne pense pas qu'un homme qui ait fait la joie de plusieurs puisse faire un jour le bonheur d'une seule. Ce qui me laisserait supposer que tu es heureuse avec moi. Je suis heureuse. Je suis même un peu plus qu'heureuse. Je suis tranquille. Après 10 ans de mariage, c'est un joli résultat. Oui, oui, oui. Ah, Frédéric. Frédéric, je suis content de vous, de moi et du reste. Je vous augmente. Joyeux Noël, Frédéric. Monsieur pense bien que ce n'est pas de refus, mais monsieur m'a déjà augmenté hier. Oh. Alors, madame vous augmente. Ouais. Joyeux Noël, Frédéric. Joyeux Noël pour madame et pour monsieur. Merci, Frédéric. Madame et monsieur n'ont plus besoin de moi? Non, personne n'est encore arrivé. Oh non, madame, il est à peine 10 heures. De toute façon, tout est prêt en bas. André s'occupe du champagne. Ah, vous lui direz de mettre quelques bouteilles de côté pour l'office. Je m'étais permis d'avoir la même idée que madame, mais un peu plus tôt. Monsieur me sonnera au moment de la chemise. Ah ben, vous pensez bien que je ne vais pas vous faire manquer ça, mais... C'est la liste des cadeaux. Tout elle me rend folle. J'ai tellement peur d'avoir oublié quelqu'un. Je passe mon temps à la relire. Oh, je voudrais tellement que ce réveillon soit parfait. Mais je dois dire que ça n'a pas été sans mal. Du Frénois qui se décommande 2 fois. Jean-Charles qui attrape la grippe. Le docteur Pénoursa qui n'arrivait pas à savoir s'il pourrait venir ou s'il ne pourrait pas. Et Sisteron, le bouquet. Un jour, il vient avec sa femme. Le lendemain, sans sa femme. Puis sa femme sans lui. Puis lui, sa femme et sa fille. Et finalement, personne ne vient. Non. Comment veux-tu qu'une maîtresse de maison s'y retrouve dans ces conditions-là? Allons, allons, ne t'énerve pas. Ton réveillon sera le super réveillon de ces 10 dernières années. Hein? Tu te tais. Jamais, on ne dit jamais ça. Oh. Bon, allez au travail maintenant. Je vais te lire la liste des invités. Mmh. Le petit cadeau qu'il aurait destiné, oui. Tu vas vérifier si le paquet est bien sur l'arbre. Bon, alors le temps de grimper et je suis à toi. Tu es prêt? Oui. Oh. On commence par les nôtres, hein, c'est plus facile.
Madeleine Villardier. Une paire de boucles d'oreilles anciennes, or et rubis. Oh, tu y as pensé. Tu es merveilleux. Oh, merci. Elles sont ravissantes. Je les ai vues tout à l'heure. Oh, que c'est vilain. Antoine Villardier. Présent. Une paire de boutons de manchette. Non. Oui. Celle que j'avais repérée chez Boucheron, les deux petits serpents aux yeux d'émeraude. En personne, tu es content? Où de joie, si je le mettais tout de suite. Non, 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 tu auras ton cadeau tout à l'heure en même temps que tout le monde. Hein? C'est un tout petit paquet argent, tu le vois? Oh, je ne vois que lui. Bon, allez, on est sérieux maintenant. Véronique Chambon, un tube de rouge à lèvres en argent. Puis, et pour son cher petit mari? Rien du tout. Tu sais bien que Jean-Charles ne vient pas, il a attrapé la grippe. Eh ben, ça lui apprendra. Après. Constantin va d'abord. Un stylo en or. Attends, j'ai marqué quelque chose entre parenthèses. Ah oui, presque. Presque? Ou presque en or, plaqué or. Il est bien gentil, madame Bob, mais enfin, le stylo aussi d'ailleurs est très gentil. Ça, il doit être charmant. Mais quelle drôle d'idée d'offrir un stylo à un producteur de cinéma, ça n'écrit jamais. Ça signe. Ah, Gaston Gérin, un foulard de soie. Oui. Sa femme, un foulard de soie. Oui. Sa fille, un foulard de soie. Oui. Il y a des familles marquées. Je ris, pleuvait à torrent le jour où j'ai fait toutes ces courses. J'allais pas risquer d'attraper une bronchite pour les Gérins. Ça fait 10 ans qu'on les connaît. Ils n'ont jamais trouvé le moyen de m'offrir ne serait-ce qu'une douzaine de roses. Franchement, ils sont écœurants. Mais enfin, pourquoi les invites-tu? On s'adore. Ah. Édouard Parimu, un briquet en argent. Oui. Madame Parimu, deux salières anciennes. Oui. Mais je te préviens qu'elle en a déjà. La gaffe. Ah. Tu les as vues chez elle? Ah non, sur elle. Non, du paillon. Un porte-clé de voiture en argent. Attends, j'ai marqué quelque chose entre parenthèses. Presque. Oui, c'est voilà. Ça. En fait, c'est du bronze argenté. Ça représente un Saint-Christophe. Mm. Mais dis-moi, oui. C'est plus le petit enfant Jésus qui porte sur son épaule? Oh, mais si, toujours, pourquoi? Je ne l'ai pas reconnu. Hein? Pauvre du paillon, ça n'est pas trop laid, au moins. Pas trop laid, c'est oui. Très charmant, c'est très gentil. Puis enfin, du paillon, je sais. Vous avez appris à lire ensemble dans la même école, mais en dehors de ça... Ah, il nous aime beaucoup. Moi aussi, j'aime du paillon. Hein? J'adore du paillon. On va pas passer la soirée sur du paillon. Non, ça... Non, voilà, alors on enchaîne. Marie-Thérèse Taburo, une boîte de cigares. Non. Si. C'est pas de ma faute si elle fume le cigare. À table? Pas uniquement. Oh. Olivia Wood. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Olivia Wood, c'est ouais. Une jeune comédienne de cinéma. Ah. C'est l'amie actuelle de Badaboff. Quoi? Wood et Badaboff. Oui. On dirait une bande dessinée pour enfants. Antoine, Olivia Wood, tu regardes tout de suite une paire de gants brodés. Vite. Bien. Docteur Pelourça. Ah, ce brave docteur. Tu l'as gâté, j'espère. Un portefeuille en box. Un portefeuille en box? Oh, voyons, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Mesquin, réfléchis. Le docteur Pelourça est un familier de la maison, ton ami de toujours et ton médecin traitant. Et par-dessus le marché, il ne se fait jamais payer, ce brave. Oui, alors là, tu as raison, il n'avait pas besoin d'un portefeuille. Oh. Non, 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 il me semble simplement que tu aurais pu lui offrir quelque chose de plus... Enfin, de moins... Un portefeuille en crocodile, par exemple, avec ses initiales en or. Qu'est-ce que tu vas chercher, mes banques sous crocodile? Ils s'en moquent complètement, le docteur Pelourça. On s'est vu naître. Oui, alors ça, je ne sais pas le rapport. Mais moi, pour lui, c'est l'attention qui compte, c'est le geste. Que tu peux être conformiste, mon pauvre Antoine. Oui, ben, c'est que moi, il ne m'a pas vu naître et je lui dois beaucoup. Eh ben, tu l'embrasseras. Ah. Oh, une grosse bise à Pelourça. Voilà, on a tout vérifié, on a tout... Bon, je commence enfin à respirer. Je vais pouvoir finir de m'habiller. Pour tuer certains, chérie, nous n'avons oublié personne. Oui, 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 sois tranquille, autant de cadeaux que d'invités, 13 partout. Parfait. Qu'est-ce que tu dis? 13? Oui, 13. Antoine, c'est une plaisanterie. Nous ne sommes pas 13. Mais si, pourquoi?
Mais c'est impossible, voyons, réfléchis. Enfin, ça changerait quoi que je réfléchisse, il suffit de compter. Je te dis, c'est impossible, tu t'es trompé, recompte. Nous deux, mm-hmm. les trois gérins, le docteur, Véronique, ça fait 7. Wood et Badabov, ça fait 9. Wood et Badabov, ça fait 9, contenant maintenant, monsieur Parimu 10, madame Parimu 11, et Marie-Thérèse Taburo 12. C'est bien ce que je disais, nous sommes 12. Et Dupaillon 13. Et Dupaillon 13. Tu as raison, j'avais oublié Dupaillon, nous sommes 13. Eh ben oui, alors. Et alors? Mais tu es inconscient, ma parole. Nous sommes 13 à table, un soir de réveillon. Oh oui, j'oubliais que tu es superstitieuse. Tu parles n'importe quoi, je ne suis pas superstitieuse. Mais de là à dîner à 13, alors ça jamais. C'est encore plus mauvais que de passer sous une échelle. Oh, voyons, mon chou, sois raisonnable. Tout ça à cause de Dupaillon, je le retiens, ton Dupaillon. Mais alors ça, je ne vois pas très bien ce que Dupaillon... Tu ne vois pas, tu ne vois pas que sans lui, nous serions 12. Alors ça... C'est toi qui viens de le dire. Mais Dupaillon 13, tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Je l'ai dit parce que nous avions oublié de le compter. J'aurais pu dire aussi bien et Badabov 13. Ou encore et Véronique Chambon 13. Je manquais à dire Dupaillon 13. Résultat, mon réveillon sera un désastre, c'est couru. Oh, chérie, je t'assure que tu manques un peu trop de sang-froid. Enfin, réfléchis une seconde. Songe qu'il y a des gens qui se battent pour acheter leur billet de loterie un vendredi 13. Mon pauvre amour, tu confonds tout. Vendredi 13 est la meilleure des dates. Mmh. 13 à table est le plus mauvais nombre. Mmh. C'est pas la peine d'avoir tellement voyagé pour ignorer des vérités aussi élémentaires. En tout cas, rien ne dit que nos invités s'en apercevront. Tu n'es pas obligé de les mettre au courant. Tu penses? Dès que quelques individus sont réunis autour d'une table, il y a toujours un imbécile qui a l'idée de les compter. Moi-même, d'ailleurs, je ne peux pas m'en empêcher. Ah. Enfin, de toute manière, je ne vois pas ce que nous pourrions faire. Mais moi, je vois. Je vois même très bien. Nous allons chercher un 14e. Il est quelle heure? Il est 10h15. Nous avons encore le temps. Un soir de réveillon, ce ne sera peut-être pas facile. Et en admettant que tu trouves quelqu'un, je me demande ce que tu vas bien pouvoir donner comme prétexte. N'importe quoi, ce qui passera par la tête. Arrête de m'agacer avec des réactions aussi négatives. Je me débrouillerai toujours, sois tranquille. Passe-moi le répertoire téléphonique. Bon, si voilà, vous trouvez un 14e, nous allons trouver un 14e. Surtout calme-toi. Calme-toi. Bon, alors. Aubin. Raoul Aubin. Il est en voyage. Oui. Audier. Il m'a téléphoné, il réveillonne chez les Poncet. Mm-hmm. Audibert. Il est toujours à Londres. Oui. Aviron! Qu'est-ce qu'il est devenu, Aviron? Ben, la dernière fois que je l'ai vu, il sortait de sa banque entre deux inspecteurs. C'est vrai. Borel, impossible. Brantignac, voilà. Téléphone à Brantignac. Non, il est parti la semaine dernière rejoindre sa femme au Baléares. Celui-là, alors, dès qu'on a besoin de lui. Et les Brébans? Oh, ben, ils sont 8. Ah, alors, nous, tu as raison. 8 sonnards. Qui est-ce déjà, Buissonnard? C'est le type qui a réparé le chauffage central. Foligno! Voilà l'idéal! Téléphone à Foligno! Non, il est en voyage de noces. À son âge? Oui. C'est malin. Il aurait quand même pu nous envoyer un faire-part. Oh, mais ça, que veux-tu? Il s'est marié à Montluçon, comme ça, la sauvette. Il avait peut-être peur d'avoir des ennuis avec l'autre. L'autre? Enfin, tu sais bien qu'il vivait depuis 15 ans avec... Mais comment s'appelle-t-elle, au fait? Oh, tu vois qui je veux dire? Pas du tout. Cette raseuse qui a un gros nez tout rouge. Mais il était venu dîner 2 ou 3 fois avec lui. Ah, oh. Elle avait un nom de charcuterie. Oui. Jean Bonneau, Jean Bonnet, Salami. Salamette. Amélie Salamette. Voilà. Un vrai désastre ambulant, cette pauvre femme. Elle éternuait toutes les 2 minutes à cause de son rhume des poings. Dis-moi, j'y pense. Oui. Elle est sûrement libre. Salamette? Évidemment. Une femme que son amant vient d'abandonner pour aller se marier en province, elle a dû refuser toutes les invitations. D'ailleurs, je suis bien tranquille, personne n'aura songé à l'inviter. Oh, brave Amélie, ça va me faire plaisir de la voir. Mais tu ne peux pas la sentir. Je la mettrai à côté de toi. Antoine, enfonce-toi bien dans la tête. J'inviterai le plombier s'il était ici. Dans les circonstances actuelles, Amélie Salamet m'apparaît sous les traits de l'archange Gabriel. Cesse de m'agacer avec des petites répugnances personnelles et passe-moi le téléphone. Salamet. Zut, j'ai rayé son numéro. Oh, c'est malin. Oh, tu peux lire, toi?
Oh, ben, je m'en garderai bien. Merci, c'est gentil. Mais entrez. Quel idiote. Je prie, madame et monsieur, de m'excuser, mais les premiers invités viennent d'arriver. Monsieur et madame Parimu, monsieur Badapoff et mademoiselle Wood. Déjà? Mais le rendez-vous était pour minuit moins le quart. C'est-à-dire que ces messieurs-là m'avaient formé le projet de commencer la soirée ailleurs, mais ça n'a pas été possible. Il paraît que tout est plein. Les cafés, les théâtres, les cinémas, les églises, enfin, tout. Alors, comme ils ne savaient plus où aller... Bon. Eh bien, je compte sur vous pour qu'ils ne s'aperçoivent pas trop de notre absence, Frédéric. Faites-les boire. Que monsieur soit sans inquiétude, ils boivent tout seuls. Frédéric, venez ici. Vous pouvez lire, là. Quoi, vous avez peur? Je suis presbyte, madame. Amélie Salamé, 540, 72, 83. Vous êtes merveilleux, Frédéric. Oh, 540, 72, 83. Tu as bien fait de l'augmenter. Elle a eu beaucoup de peine quand Foligno l'a abandonnée. Oh, ça, certainement, elle a dû être très malheureuse. Parfait. Alors, elle est sûrement chez elle, en train de laver ses mouchoirs. Ça sonne. 540, 72, 83. C'est vous, cher ami? C'est Madeleine! Madeleine! Madeleine Villardier, voyons! Voilà, vous y êtes! Oh, mais très bien, et vous? Nous avons appris Amélie. Quelle horreur! Quelle épreuve! Comme ça a dû être dur pour... Oh, ma pauvre amie! Oui. Résumé des chapitres précédents. Oh, ce sont des moments tellement durs. Il faut avoir du courage, Amélie. Vous avez des amis. Il ne faut pas vous sentir... Ah non! Surtout ne faites pas ça! Oh, le bouquet, elle a failli se tuer. Bon, alors je peux aller mettre ma chemise, Mais ne me remerciez pas, c'est tellement normal. Antoine me parlait de vous encore ce matin. Il me disait téléphone, Amélie. Me téléphone de moi, Amélie. Oh non, c'est plus loin. Oh oui, il est gentil. Non, elle t'embrasse. Joyeux Noël. Lui aussi vous embrasse, ma bonne Amélie. Joyeux Noël. Enfin. Dans la mesure du possible, évidemment. C'est vrai, Amélie. Les périodes de fête sont encore plus terribles à supporter. On se sent exclu. On se sent... Oui. Savez-vous ce qui serait super? Ce serait de déjeuner ou de dîner ensemble un de ces jours. Ça nous ferait un plaisir. Ça y est, elle est mûre. Oh oui, ça je sais parce qu'elle est... Je me risque. Excusez-moi de vous interrompre, mon petit lapin, mais Antoine vient de me souffler une idée absolument merveilleuse. Mais pourquoi attendre plus longtemps? Sautez dans une robe du soir et venez donc tout bêtement réveillonner avec nous ce soir. Oh, ce serait la fête, Amélie. Non? Ah, zut. Oui, Anna, mais je comprends très bien. La tuile, elle est déjà invitée chez les Poncet. Ils étaient 13 aussi? Non, mais quand on ne peut pas, Amélie. Demain. Oh, mais Antoine ne sera pas là demain, ce serait dommage. Moi, oui. Moi, je serai là. C'est ça. Je serai ravie, Amélie. Quelle bonne idée. À demain, 13h, je vous attends. Je vous embrasse, Amélie. Ah, je suis le marché, elle vient déjeuner demain. J'ai beau lui dire que tu ne serais pas là, rien n'y a fait. Le plus ennuyeux, c'est que je serais vraiment obligée de ne pas y être. Elle pourrait avoir des soupçons. Eh bien, elle les aura. Tu n'imagines tout de même pas, je vais rester toute seule devant cette arroseuse municipale. Tu as entendu ça? C'est incroyable. Enfin, voilà une femme que son amant vient d'abandonner pour aller se marier en province. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réveillonner chez les Poncet. Je t'assure que l'humanité n'est pas belle à regarder. C'est comme dans du paillon, tiens. Encore un monsieur qui sait vivre, celui-là. Bon, alors si j'allais mettre ma chemise... Mais va, puisque c'est ton unique ambition. Non, mais tu devrais songer à t'habiller, toi aussi. Ça te changerait les idées. Pour rien au monde, tu entends, Antoine? Pour rien au monde, oui. Je n'admettrais d'avoir 13 personnes à ma table un soir de réveillon. Je mettrais plutôt une fausse barbe à Frédéric. Oh, Madeleine. Ou alors je les réunirais tous et on tirerait à la courte paille. Pourquoi faire? Pour trouver celui qui irait manger ailleurs. Oh, mais c'est folle, mais non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Allô, oui? Madame Villardier? Oui. Oui, ne quittez pas.
Tiens, c'est encore la maison Prunier. Ah. La troisième fois en 2 heures, ils exagèrent. C'est à quoi? C'est pour les huîtres. Oh, les allô, oui, c'est Madeleine Villardier. Je vous écoute. Bonsoir, Raphaël. Mais bien sûr, je sais que c'est vous, la maison Prunier. C'est un très bon truc, comme vous dites, mais il ne faudrait pas en abuser. Il est dans la chambre, il met sa chemise. Oh, pas trop bien, non? Figurez-vous qu'il m'arrive un de ses coups. Nous sommes 13. 13 à table. Mais non, je ne suis pas superstitieuse. Nous, on n'a beau ne pas y croire, ça fait tout de même quelque chose. Ah non! Ah non, monsieur Armorin! Ne me demandez pas de vous dire que je vous aime par téléphone et surtout la veille de Noël. D'abord, je ne vous aime pas. Enfin, pas encore. Nous sommes en pourparlers, c'est tout. Bien sûr, c'est à cause d'Antoine. Il existe, lui aussi. Un paquet de nouilles, lui. Admettons, il en faut des paquets de nouilles. Il m'en faut 14 douzaines. Je compte sur vous. Merci beaucoup, monsieur. Sois plutôt bavard, chez Prunier. Dis donc, tu peux pas me dire d'où tenir mes manchettes? Bien sûr, chérie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce fameux 14e? Tu as une idée? Ben non. Tu n'en as jamais, d'ailleurs. Oh, ben, j'ai tout de même eu celle de t'épouser. Oh, si j'avais pas été là pour te la souffler. Ah oui? Ben, tu vois, j'avais toujours cru que c'était vraiment une idée à moi. Non, mais j'ai tout fait pour ça, mon trésor. Je dois dire que tu ne m'as pas donné beaucoup de mal. Tu venais de passer 10 ans dans la forêt vierge. Oh, n'exagérons rien. Il n'y a pas de forêt vierge au Paraguay. Et Asunción était tout de même à l'époque une ville de 125 000 habitants. Ah. Sans compter les puissants. Ah, entrez. Le docteur Pelourça vient d'arriver. Madame, il demande à voir madame ou monsieur. Ne lui parle pas du portefeuille. Dis au docteur Pelourça que je m'habille. Coucou, c'est moi. Joyeux Noël, mes enfants. On s'embrasse. Merci. Joyeux Noël, docteur. Mon Dieu, qu'il est beau. Et on dit que l'homme heureux n'a pas de chemise. Docteur, je suis profit de vous recevoir ainsi, mais... Oh, ma principe, va. Embrassez-moi. Joyeux Noël. Faites voir un peu cette mine. Formidable! Vous parlez d'une santé. Et toi, tes migraines? Envolé. Tu as pris mes pilules? Non. Ça explique tout! Continue! Ah, les enfants, que la vie peut être belle! Belle, mais courte, docteur. Surtout pour une pauvre femme qui n'a pas encore mis sa robe du soir. Compris, je t'embête! Sortie discrète du vieux docteur de famille. Je vais descendre boire quelques verres de champagne avec les autres, histoire de me mettre en train. Fiche! C'est une surprise. Chaque invité a son petit cadeau. Veillez. N'allez pas le répéter à tout le monde, hein. Quoi? Oui, je suis un tombeau. Ah, bon. C'est peut-être pas une expression très heureuse pour un médecin. Ah non, ça je... Tu sais que c'est une idée épatante. Quelle idée? Les petits cadeaux. D'abord parce que la délicatesse fout le camp de plus en plus dans ce monde de sauvages, et puis c'est plein de poésie. On se revoit en train de mettre ses souliers dans la cheminée. Vous parlez d'un sacré retour en arrière. Sans compter que j'ai une arme de cocotte, j'adore les cadeaux. Vous savez, il n'y a pas de pas crié au miracle, là c'est juste pour marquer le coup. Tu penses, je te connais assez. Ah, à propos, regardez un peu. Hein? Oh, crocodile. Et avec mes initiales en or par-dessus le marché. Un cadeau pour mon gendre, ce garçon est fou. Eh ben ça, c'est un portefeuille. Très joli. Les écailles sont peut-être un peu grosses. Oh. Remarquez que je ne sais jamais la portefeuille. C'est une belle occasion pour commencer. Et maintenant, sois chic. Dis-moi ce que tu m'as acheté. Non. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça n'est pas un portefeuille. Évidemment. J'espère bien, dites donc. Alors, c'est... Rien à faire pour percer le secret. Bon, eh bien, je vais me jeter dans le champagne. À tout à l'heure. Docteur, vous êtes superstitieux. Moi? Non, Dieu merci, je suis un homme de science, figure-toi. J'ai passé l'âge de jouer avec les amulettes. Pourquoi me demandes-tu cela? Pour savoir. Une de mes amies vient de me téléphoner. Elle est assez ennuyée, il risque d'être 13 à table. C'est idiot, mais il faut reconnaître que c'est une superstition tenace dans certains milieux. Du seul point de vue mondain, cela peut être assez embêtant pour une maîtresse de maison, évidemment. Qu'est-ce que je te disais? À condition qu'elle soit un peu simplette, bien entendu. De toute manière, ça ne peut avoir d'autres conséquences que de planquer la frousse à ses invités. C'est pas rien. Les gens sont si bêtes. S'ils se donnaient la peine de remonter aux sources de leur terreur, ils cesseraient du même coup de trembler. Toutes les superstitions populaires s'expliquent banalement par leur origine. 13 à table, par exemple, cela remonte à la Seine. La rivière?
La scène, C-E-N-E. Oui, le dernier repas que le Christ prit en compagnie des 12 apôtres. Avec lui, ça s'étresse naturellement, et comme il est mort le lendemain... Et ça ne vous suffit pas? Non, non, tu ne t'imagines tout de même pas qu'il est mort parce qu'ils étaient très à table, relis l'évangile. Non, j'ai pas le temps. Merci, docteur, c'est tout ce que je voulais savoir. Tu es trop belle. Téléphone donc à ton ami et dis-lui de ma part qu'il vaut beaucoup mieux être très à table qu'avoir 27 de tension. À tout à l'heure. Cette fois, c'est pas une plaisanterie, on sait d'où ça vient. Tu es décourageante. Quoi? Heureusement que j'entrevois un moyen à peu près normal de te sortir de là sans quoi... Tu as une idée? Oui. Alors, un garçon que tu ne connais pas, oui. Raymond Brelan, oui. C'est le nouveau directeur de mon service de publicité. Oui. Il est arrivé d'Angoulême hier matin. Oui, oui, c'est oui. Un dessinateur remarquable, un garçon travailleur et sérieux. Oui, ça fait rien. Alors, téléphone-lui. Mais il n'a pas encore le téléphone. Non, mais c'est égal, j'irai faire un saut chez lui, c'est à 200 mètres d'ici. Mais tu es sûr qu'il sera chez lui un soir de réveillon? Oui, il ne connaît personne à Paris, il n'avait pas l'intention de sortir, il se sentait un peu fiévreux. Alors apporte-lui des antibiotiques. Bon, il y en a dans la petite pharmacie de la salle de bain. Vite, mon chéri, vite. Attends, tu me laisses tout de même le temps de mettre ma chemise dans mon pantalon. Ça devient une véritable obsession, cette histoire de chemise. Attention, Antoine. Mets ton par-dessus et file chez ce garçon. Bon, mais tout à l'heure. Réglons d'abord la question du docteur, nous risquerions de l'oublier et ce serait la gaffe maison. Quelle gaffe? Pas pour le coup du portefeuille. Bien entendu, il n'est pas question de lui donner ton machin en box maintenant qu'il en a un en crocodile. Alors? Eh bien, j'y ai déjà pensé. Oui. Je donne le stylo de Madame Boff au docteur et le portefeuille du docteur à Madame Boff. Allez, le portefeuille à Madame Boff? Ah ben bravo. Nous aurions l'air de nous moquer de lui. Pourquoi? Mais parce qu'on n'offre pas un portefeuille à un monsieur qui, de notoriété publique, est très gêné financièrement parlant. Enfin, tu sais très bien que Madame Boff a perdu 200 millions. Dans son dernier film. Oh, j'avais oublié. Bon, je le donnerai à Paris Nu. Un portefeuille en box à Paris Nu. Alors ça serait bouquet. Il en fabrique Paris Nu. C'est un des premiers maroquiniers de Paris. Je vais m'agacer. Ben, je le refilerai à Dupaillon. Tiens, ton Dupaillon. Dupaillon me doit 6000 francs, Madeleine, et il n'arrive pas à me les rendre. Bravo. Si tu lui offres ce portefeuille sensible comme il est, il croira que c'est une allusion à sa dette. Bon, alors Gérard, peut-être. Il ne fait pas de film. Il ne fait pas de portefeuille, il ne fait pas de dette. Je pourrais peut-être me risquer et le donner à Gérard. Madeleine, tu ne peux pas offrir un portefeuille à Gérard. Mais attention à toi, parce que maintenant tu m'énerves. Tu ne peux pas. Gérard est le seul député de son groupe qui n'ait jamais réussi à être ministre. Il en est malade. Et tu ne peux pas faire. Ben c'est toi qui l'auras. Moi? Ne te donne pas la cacao. Au docteur, et comme ça tout le monde sera content. Maintenant, mets ton bar-dessus et file chez ce garçon. Je t'en supplie. Entrez. Monsieur Gérin, madame et mademoiselle viennent d'arriver, madame. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui leur prend de se précipiter comme ça sur les gens? Quelle heure est-il donc? 11h25. Madame, ils s'excusent d'être tellement en avance, mais ils ont été obligés de prendre la voiture d'un ami pour venir de Bougival. La leur est en panne. J'ai l'impression d'être prise dans une mêlée de rugby. Vous donnez son par-dessus bien chaud à monsieur Sol. Bien, madame. Tu es sûr que ce garçon va être chez lui un soir de Noël? Ça me paraît. Mais oui, je te répète qu'il était fiévreux. Je te répète que ça ne veut rien dire. Les gens sortent avec 39, 40 de fièvre. Ils sont complètement inconscients. Monsieur, vite, Frédéric, vite. Mais enfin, monsieur ne va tout de même pas sortir avec sa chemise sur son pantalon. Mais il paraît que si. Oui. Je prendrai l'escalier de service. Ah, allons, par exemple. Chérie, tu passeras par le salon et tu nous excuseras auprès de nos amis. Ils doivent se demander ce qui se passe. Bon, alors je leur dis quoi? Que je vais prendre l'air? Ça va, bête. Tu leur dis, je sais pas, tu leur dis qu'on vient de téléphoner de l'usine, qu'il y a eu un court-circuit, que c'est pas grave du tout, bien entendu, mais qu'il faut tout de même que tu ailles jeter un coup d'œil et que c'est l'affaire de 20 minutes, pas plus. Mets ton chapeau au fil. Et surtout, que monsieur ne quitte son manteau sous aucun prétexte. Le thermomètre est à moins 13. Lui aussi! Dame qui vient d'arriver et qui demande à voir madame. Non, je les verrai tous en même temps. C'est que cette dame n'est pas une invitée, elle insiste. Elle doit quitter pour des bonnes œuvres. Demandez-lui son nom, son adresse, dites que j'enverrai un chèque. Donc madame me pardonne, mais je ne pense pas que cette dame soit venue pour quitter. C'est une dame bien. Elle a un accent étranger avec un nom de là-bas. De là-bas? De l'étranger. Je n'ai pas très bien compris sur le moment et je n'ai pas osé faire répéter cette dame. Elle ne peut pas revenir à un autre moment? Cette dame part en voyage demain matin. Très bien. Faites-la entrer, Frédéric, et revenez dans 10 minutes. Dire que ma présence en bas est absolument indispensable, ce qui me permettrait de m'en débarrasser.
Vous avez bien compris? Oui, madame. Dans 10 minutes. Vous êtes superstitieux, Frédéric? Pardon, madame. Je vous pose une question. Êtes-vous superstitieux? Non, certainement pas, madame. Je suis libre penseur et athée. Vous? Athée? Oui, madame. Dieu merci. Oh. Donc ça vous est égal de passer sous une échelle? Quand l'occasion se présente, oui, madame. Vous posez votre chapeau sur votre lit? Vous vous endormez avec une porte de placard ouverte? Vous n'allez pas me dire que vous partez en voyage le vendredi? Que vous traversez les rues en biais? Que vous mettez tous vos tricots à l'envers? Si, madame. Pas tous les jours, évidemment. Eh bien, vous vous préparez un bel avenir. Enfin, passons, ça vous regarde. Donc, si je comprends bien, ça vous serait parfaitement égal de prendre part à un dîner de 13 personnes. Que madame me pardonne, mais c'est tout à fait différent. Le sel renversé, les échelles, les chapeaux sur les lits, tout ça, c'est de la superstition. 13 à table, c'est sérieux, j'y crois. Donc vous êtes superstitieux? Non, madame. Oh. Mais il y a certaines choses que je ne fais pas, c'est tout. Je n'ai vu qu'une seule fois 13 personnes en train de dîner autour de la même table et ça m'a servi de leçon. Au turbo sauce piquante, tout le monde se battait. Oh. Des gens bien? Madame sait qu'il n'y a que des gens bien qui mangent du turbo sauce piquante. Ça fait vrai. C'était uniquement des membres du corps diplomatique. Dois-je introduire maintenant cette dame auprès de madame? Quelle dame? Ah oui. Elle est en bas? Non, madame, à côté, dans la bibliothèque. En bas, c'est impossible. Maintenant, le docteur a organisé une farandole. Il danse sur un volcan. Faites entrer cette dame, Frédéric. Demandez-lui de patienter quelques instants. Il faut tout de même que j'aille m'excuser auprès de mes invités. Si madame veut bien se donner la peine. La señora Villardi n'est pas là. Madame prie madame de bien vouloir l'excuser. Madame est descendue auprès de ses invités. Elle revient tout de suite. Muchas gracias, amigo. Certainement, madame. Si madame veut bien s'asseoir. Elle veut. Le seigneur Villardi, il est en excellente santé, j'espère. Monsieur va très bien, je remercie madame. La seigneura Villardi aussi, elle paraît avoir la bonne mine. J'ose dire que la condition physique de madame ne cède en rien à celle de monsieur. Muy bien, muy bien. Cela ne fait aucun doute, madame. Oh. Je suis désolée, chère madame. Qui est là? Dillon, señora, mais c'est moi que Dieu m'excuse grandement de cette pénétration chez vous à une heure pareille. Mais il faut que demain, il vienne à Madrid avec la viande. Bonjour. Enchantée. Si vous pouviez me rappeler votre nom, mon valet de chambre est assez peu familiarisé avec les consonances étrangères. C'est un garçon très timide, un peu... Kukufsko. Aussi, oui, un peu Kukufsko. Je vous demande bien pardon, mais c'est mon nom de famille. Kukufsko, Consuela, Kukufsko. Pardon, je suis tellement distraite. Oh, mais ça ne fait rien. Mon père était russe et ma mère espagnole. Ah, je vois. Et maintenant... moi, je suis née à Shanghai. Bravo, madame. Oh, mais vous pardon, mais pas parce que vous faire valer votre temps sans le masser comme dit les petits sous. Justement, c'est la natividad. Pardon? C'est la Noël. Alors tout le monde y boit la santé du petit bon Dieu ce soir. Oui, justement, tout le monde y boit. J'ai des amis qui m'attendent en bas. Si vous pouviez m'exposer rapidement le but de votre visite. Il n'y en est même pas pour 5 minutes, il est marqué. Hein? Je vous en prie. Alors voilà, j'écris un roman. Ah. Un roman d'amour, naturellement. Oui. Et qui se passe à Santa Rosalina. Vous avez sûrement entendu parler de Santa Rosalina. Oui, oui, beaucoup, madame, souvent. C'est une sainte. C'est une république. Oh. Décidément. Oh, mais petite. Petite république de rien du tout. Vous savez, elle est grosse comme une caca des mousses. Juste entre Paraguay et Uruguay. Et c'est un pays merveilleux. Je n'en veux pas, chère madame. C'est plein de cactus, des indiens, des mines d'or, des beaux garçons qui font l'amour sans même lasser leur pistolet. C'est formidable. En tout cas, ça ne doit pas manquer de pittoresque. Si je pouvais savoir ce que vous attendez de moi. Entre des dions, si vous savez ce que vous pensez, señora, vous pensez. Mais qu'est-ce qu'elle a cette folle à venir me raconter qu'elle écrit une histoire d'amour sur Santa Rosalina? Je m'en fous, moi. Mais non, madame, je ne m'en fous pas. Je voudrais savoir ce que vous attendez de moi. La vérité, c'est que je suis beaucoup ennuyée. Parce que Santa Rosalina, c'est justement une API où je n'ai jamais mis les pieds. Mais madame, moi non plus. Seguro. 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 Autant que vous voudrez, je ne peux pas vous dire autre chose. Seulement,
le seigneur Villardier, lui, ayant entendu dire par tes amigos qu'il avait grandement vécu dans la mairie de Soude. Je commence enfin à comprendre. C'est mon mari que vous désirez rencontrer. Ici pour obtenir le renseignement. Oh, écoutez, madame, alors je suis désolée, il vient de sortir. Je ne pense pas qu'il tarde beaucoup, mais bien entendu, vous ne pouvez pas remettre cet entretien à plus tard, demain, par exemple. Mais demain, il y a des zones à Madrid et il y a une à Casablanca. Ah, bah, en fait. Ça y est, je suis véritablement désolée, seigneurat. Mais il est dur que c'est très vite fait. Bon, écoutez, madame, si vous voulez bien patienter, alors je vais vous demander la permission de me retirer, de finir de m'habiller. Vous avez des cigarettes dans le petit coffret. À tout à l'heure, madame. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Allô, oui. Ah, c'est toi, chérie. Alors, tu l'as vu, il vient à la clinique. Comment ça, une crise d'appendicite aiguë? Charmant. C'est ça que tu appelles un garçon sérieux? Oh, écoute, je suis calme, mais vraiment. Oui, chérie, oui. À tout de suite. Il est en route, madame. C'est l'affaire de quelques minutes. Mais pas des mauvaises nouvelles, j'espère. Vous avez l'air si grandement ennuyé, seigneurat. Le seigneur Villardier n'est pas malade? Non, 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 pas lui, non. Pas lui. Si vous désirez donner un coup de téléphone, surtout ne vous gênez pas. Un coup de téléphone? Sur qui? Invité chez des amis pour le réveillon, et comme vous risquez d'être un peu en retard. Personne ne m'attend, seigneur. Oh. Vraiment? Vous êtes toute seule à Paris? Un soir de réveillon? Mais c'est affreusement triste. Mais vous devez vous sentir comme un oiseau retombé du nid. Je sais. Je sens que je suis l'oiseau. Oh, le gouvernement a une façon de recevoir les touristes. Oh, madame. Alors, permettez-moi de vous faire une proposition vraiment tout à fait amicale. Voulez-vous réveillonner avec nous ce soir? Moi, mais véritablement, je suis couverte de honte et de gratitude. Mais pourquoi? Vous êtes libre. Vous avez le désir de rencontrer mon mari. C'est une occasion idéale, magnifique. Il aura tout le temps de vous raconter le Paraguay en long et en large. Et oh, dites oui. Mais écoutez, c'est si grandement délicat de votre part, seigneurat, que je suis très contente. Entrez. Mais non, entrez. Je prie, madame, de m'excuser, mais si madame voulait descendre quelques instants, la présence de madame en bas est indispensable. Pas maintenant, Frédéric, plus tard. C'est que madame m'avait dit tout à l'heure que... Alors je vous dis maintenant que je descendrai tout à l'heure, c'est clair? Non, madame. Qu'en pensez-vous? Oh, ça, un garçon avec une poitrine pareille, au Mexique, il serait général. Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Je vous parle de ma proposition, vous acceptez, n'est-ce pas? Mais pas encore, seigneurat. Tout d'abord, c'est très mal élevé de sauter comme ça sur nourriture. Ça nous ferait tellement plaisir. Oh, mais véritablement? Mais oui. Bon, alors ça va. Yéma! Oh, merci, merci mille fois, chère madame. Oh, mais il n'y a pas la robe disponible pour la fiesta. Il faut qu'il y ait vraiment d'hôtel tous les suites. Nous ne passerons pas à table avant minuit. Vous avez tout le temps. Oh, bavardons encore 5 minutes. Parlons un peu de vous, si vous le voulez bien. Et de moi, ça n'ira pas. Eh bien, pour être très franche avec vous, j'aimerais assez que vous ne soyez plus tout à fait une inconnue pour moi quand je vous présenterai tout à l'heure à mes amis. J'espère que vous comprenez mon sentiment. Mais si, comme ça, il y avait un peu moins les cheveux qui tombent dans la soupe. Voilà. Oui, bien. Non, enfin, oui, non, oui, bien. C'est un peu... Alors, voilà. Je suis née à Shanghai en... Il faut aussi que je vous dise l'année. Ah non, il ne s'agit pas d'établir un passeport. Restons dans les lignes générales. Voyons, il y a longtemps que vous écrivez... Oh, ça, non. Ah non. Ah, c'est votre premier roman. C'est aussi le dernier, seigneur. Pourquoi? Un roman dans une vie, c'est bien assez quand on l'écrit avec du sang. Avec du sang? Ça vous fait peur, le sang? Mais pour qui? Mais vous savez, tous les hommes et toutes les femmes, c'est pas autre chose qu'un peu de sang sous la peau. Oui, tout de même. Et dans toutes ces peaux, bien sûr, il y en a toujours une ou deux quand t'es obligé de faire des trous dedans. Pam, pam. C'est la vie, ça. C'est atroce. C'est ça que vous appelez un roman d'amour? C'est peut-être pas de l'amour lorsqu'un homme tient dans ses mains le cœur d'une femme et celui d'une couple. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Et quand il s'en sert pour les manger tout cru, vous ne trouvez pas que c'est trop? Tout cru? Tout cru, seigneurat. Le type, enfin l'homme qui y raconte sa vie, il a réussi à trahir le même jour une femme et une république. C'est le record du monde, non? Ça veut dire qu'elle a... C'est El Caballero. Là-bas, Santa Rosalina, c'est un nom qui veut tout dire, El Caballero. Et voilà l'homme à qui Dolores lui avait donné sa vie. Dolores, c'est votre héroïne? Mais si, pauvre imbécile, chérie, elle avait 13 ans et demi. Et elle est allée les mettre dans les lits de ses chiens. 13 ans et demi? Dans le lit de ce monsieur? C'est peut-être un peu prématuré, en effet. Ça doit
le climat de là-bas qui veut ça. Mais c'est pas le climat, Señora, c'est l'amour. L'amour, c'est une mauvaise herbe qui pousse dans toute saison. Sûrement. En tout cas, c'est un merveilleux sujet de roman. Il y a dans tout ça un parfum exotique. J'adore tout ce qui est exotique. Donc, si je comprends bien, ça se termine par la mort de... Del Caballero, Dolores le tue, Pluto deux fois qu'une, qui lui tombe seulement sous la main. Ah bon? Parce qu'il s'était sauvé comme une lapine, Señora. Pendant 19 ans, tout le monde à Santa Rosalina, il croit que Caballero est mort. Et Dolores aussi, elle le croit. Seulement, il y a une bon Dieu dans le ciel, tu comprends? Et Dolores retrouve Del Caballero. 19 ans après, si. Et elle le tue quand même, si. Mais il y a craint qu'il y ait vous ennui beaucoup avec cette histoire. Il faut qu'il y ait à mon hôtel tous les soirs. Quel dommage, vous parlez de vos personnages avec tant de passion, on les croirait vivants. D'un tempérament espagnol, vous savez ce que c'est. Oui. J'en ai beaucoup entendu parler par mon mari, justement. Ah, comme nous sommes différents de ces gens-là, nous autres Français. Voyez, en ce qui me concerne, je serais absolument incapable de tuer un homme dans ces conditions-là. Sur le moment, je ne dis pas. La colère, la jalousie, salaud, pan, pan. Mais alors, 19 ans après, j'ai peut-être tort. Mais vous avez tort, Señora. Le temps pour l'amour, c'est rien du tout. Une goutte d'eau dans le feu, même après 1000 ans, même après fin du monde. Dolores aurait tué Antonio. Antonio? Votre héros s'appelle Antonio? Antonio El Caballero, pourquoi non? Ça, c'est amusant. Figurez-vous que mon mari s'appelle Antoine. Mais justement, le voici. Écoutez, le seigneur Villardier a une si bonne mine, on lui donnerait le bon Dieu sans du gaiement. Oui, il est gentil. Oh, très gentil. Quelquefois même un peu trop. Entrez. Chérie Noël. Ah, chérie. Oh, pardon, madame. Mais entrez. Justement, il allait partir pour l'hôtel pour mettre la robe. C'était tellement passionnant, nous avons complètement oublié l'heure. Bonsoir, chérie. Je te présente, madame Consuela Kukuvsko, une romancière de grand talent qui sera des nôtres ce soir. Madame Véronique Chambon, ma meilleure amie. Bonsoir, madame. Je suis ravie. Elle est jolie comme une peste mortelle. Madame. Si. Et je m'y connais très bien en peste mortelle. Hasta más tarde, chère récente relation. Au revoir, chère madame. Oh, et bravo. Mais bravo pour toutes ces petites choses dans l'arbre. C'est une vraie adoration. Oh, surprise. Chaque invité a son petit paquet. Non, super. Mais oui, mais d'ailleurs vous aussi, madame, vous avez le vôtre. Simple souvenir de cette soirée. Mais je ne veux pas. C'est moi qui je laisse les souvenirs à vous. Oh, non. Si. Tout à l'heure, je porte des petits paquets avec moi. Vous aimerez. Je veux. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Ça doit vouloir dire au revoir. Faisons-le. Oh, dis-moi, elle est charmante, cette dame, pour une femme de lettres. Ah, tu, elle est exquise, la vie est belle. Nous sommes 14 ce soir. Ah, ouf. Et toi, alors, tu es superbe. Comment va Jean-Charles? Beaucoup mieux. Oh, il est toujours un peu faible. La température a encore baissé. 37,6. 37,6, bravo. Ah, entre parenthèses, j'ai bien failli ne pas venir. Ne pas venir? En voilà une idée, pourquoi? Ah oui, ça m'embêtait de laisser tout seul Jean-Charles à la maison. Avec 37,6, tu plaisantes. Oh, bah, j'avais tellement de venir m'amuser ici. Alors, mon pauvre petit bonhomme. Oh, mais c'est lui qui a insisté, tu sais. Il est très courageux. Il n'a pas peur de regarder la maladie en face. Ça, c'est bien. Regardez la maladie en face avec 37,6. C'est un héros, j'ai quand même rarement vu ça. Si tu ne me laisses pas finir de m'habiller, nous ne passerons pas à table avant 2h du matin. Oh, mais pas de fin de malheur, j'ai une fin de joue. Moi aussi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas mettre ce soir, ta robe noire? Écoute, j'hésite, peut-être la noire et blanc. Ah. Qu'est-ce que tu en penses? Tant mieux, pas sortir la mienne. Oh, quel culot. Allez, file. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Mais c'est Antoine. Véronique soi-même, belle comme la nuit et comme elle peut sûr. Joyeux Noël, comment va Jean-Charles? Oui, il a toujours 37,6. Ah. Mais dites-moi, c'est à cette heure-ci que vous arrivez? Oh, n'en parlez pas, un court-circuit à l'usine. Quelle soirée! Madeleine est là? Oui, je viens de l'embrasser. Dépêchez-vous, j'ai faim, moi! Chérie! Oui? Tu es dans la chambre? Oui, je finis de m'habiller! Dépêche-toi, mon amour, nous sommes très en retard. Dis donc, j'ai une idée. Ah? Pourquoi n'inviterais-tu pas ce grand garçon brun que nous avons rencontré il y a 6 mois chez les Dubreuil? Tu vois qui je veux dire? Non, pas du tout. Non, mais si, voyons. Il s'occupe de voitures de course. Romarin, Moranin, Armorin. Ça y est, Raphaël Armorin. Veux-tu m'aider à fermer ma fermeture éclair? Oui, monsieur. S'il te plaît.
D'accord, merci. D'accord, il est plutôt bête, ce petit Raphaël. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Pour manger des huîtres, il sera parfait. Voilà, hein, ne t'occupe pas de tout ça, chérie, tout est arrangé. Ne t'inquiète pas, ça y est, nous sommes 14. Ah bon? Ouais. Tu as trouvé quelqu'un? Oui. Qui est? Une romancière. Oh, oh. Ben, tu es fou. Mais tu es fou, Bon, alors, comment as-tu fait? Elle passait dans la rue? Voilà, elle est entrée ici. Elle écrit un roman qui se passe en Amérique du Sud. Elle n'y a jamais mis les pieds. Et elle s'était fait rencontrer pour te demander des renseignements. Je dois dire que pour une fois, j'ai eu une chance. Ah, coucou, Sco! Coucou, Sco! C'est son nom, elle s'appelle Koukousko. Ah oui. Et elle est russe par-dessus le marché? Oh, quelque chose comme ça. Oui. Entrez! C'est encore moi, mes enfants. Oui. Il m'arrive une de ces tuiles. Allons, bon. Vous connaissez les Gridoux, naturellement. Oui, oh, alors oui. Madame Gridoux attend un enfant. Un enfant, la veille de Noël? Elle se prend pour la Sainte Vierge. Mais elle l'attendait il y a déjà un an, non? C'est un an. C'est ma mère. Exactement, enfin bref, c'est pour maintenant, paraît-il. J'avais commis l'imprudence de lui dire que je ravillonnais chez vous et ça n'a pas raté. Elle vient de m'envoyer son chauffeur. Madame est dans les douleurs, affirme ce brave homme, il faut que j'y aille. Ah non, vous êtes fou! Téléphonez à un de vos confrères, envoyez-lui une sage-femme. Ça ne serait pas chic, j'ai déjà 4 ou 5 petits Gridoux à mon actif. Je dois terminer la série. Mais c'est insensé, un sans gêne pareil. Enfin, depuis le temps qu'elle en fait, elle aurait pu apprendre à les faire toute seule. Que voulez-vous? Tant pis, docteur, nous vous attendrons. Pas la peine. En ce qui me concerne, la soirée est fichue. Quoi? Comment? Vous ne réveillonnez pas avec nous? Tu plaisantes. Le temps d'aller à la Seine-Saint-Cloud avec 2 cm de verglas sur les routes, le temps de revenir, sans compter que cette brave femme a toujours des délivrances interminables. C'est un coup de 4 heures du matin. C'est impossible, docteur. Vous entendez, impossible. Si vous partez, nous sommes 13. Et alors? 13 à table, un soir de réveillon. Écoute-moi bien, grosse bête. Pour le moment, c'est Madame Gridoux qui est à l'honneur, alors résigne-toi. Oh non, faites bien attention, docteur, vous me tuez. Ça fera une moyenne. Oh. Et puis, cesse donc de te conduire comme une enfant avec les 13 à table, ça ne veut rien dire. Adieu, mon beau réveillon. Vous m'excuserez, hein? Bah, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Hélas. Vous allez dire que j'exagère, mais... Si vous me le donniez tout de suite... Quoi? Mon petit cadeau. C'est ça qui serait gentil, et puis après tout, je ne serai pas là pour la distribution officielle. Alors, Antoine? Bah, donne-lui son cadeau, chérie. Bien, très bien, parfait. Tenez, docteur, et qu'elle fasse des quintuplés, votre Gridoux. Tu es un ange. Je peux ouvrir? Et pendant que vous y êtes. Des boutons de manchette! Ça, alors, mes enfants, c'est de la folie. Dieu que c'est beau! C'est trop beau! Oui. Deux petits serpents aux yeux d'émeraude. Si vous saviez ce que je suis ému. C'est Antoine qui les a choisis lui-même. Vous, Antoine, je n'oublierai jamais, mon ami, jamais. Un crocodile et 2 serpents coup sur coup, c'est la journée des reptiles. Toi, c'est adorable. Tenez, si Madame Gridoux en fait 2, je vous en mets un de côté. Je vous demande simplement si dans une de ces chambres, vous n'auriez pas une certaine Koukousko. Non, vous n'avez qu'un mon gibot. À moi, c'est une Koukousko. Bon, très bien, tant pis. Merci beaucoup, monsieur. Tu as des commandes avant qu'elle saute dans sa robe du soir. Alors, tu as élu Georges V? Georges V, j'ai le prince de Galles, j'ai une Sofitel, j'ai une Méridien. Elle n'y est pas. Elle n'est nulle part. Moi, j'y renonce. Il faut trouver autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent en bas? Hein? Non, mais ça, je ne sais pas, ils parlent tous en même temps. Ah. Eh ben, vois-tu, finalement, ça vaut mieux. Quoi, tu parles tous en même temps? Non, que tu n'aies pas pu joindre cette dame. Il est toujours délicat de décommander quelqu'un 10 minutes après l'avoir invité et une demi-heure avant de passer à table. Oui, je me demande d'ailleurs ce que tu aurais bien pu lui donner comme raison. N'importe quoi, ce qu'il pensait par la tête, que tu venais de te casser une jambe. Ah, ben merci, pourquoi moi, justement? Qu'est-ce que tu as gémis? Personne ne t'a touché, tu l'as encore, ta jambe. Bon, alors. Oh. C'est un reproche? J'ai pas envie de plaisanter. C'est une heure impossible et nous sommes toujours 13. Oh, je le retiens, ton docteur Pelourça. Oh, pauvre Toubib, tu crois peut-être que ça l'amuse? Bien sûr, ça l'amuse. Dès qu'il voit une femme enceinte, il se précipite.
par-dessus tout, il est parti avec des boutons de manchette. Oh, j'en suis malade. Oh non, mais c'est idiot de se mettre dans des états pareils. Veux-tu que je me couche? Toi? C'est moi qui suis malade. Bon, ben, tu n'auras qu'à dire que c'est moi. Un brusque accès de paludisme. Comme ça, vous ne serez plus que 12. Non, tu as déjà eu un court-circuit. Tu ne peux pas avoir aussi un accès de paludisme. D'autant moins que nos amis t'ont trouvé une mine florissante. Oh. Non, chérie, il faut trouver autre chose, mais quoi? On pourrait peut-être demander à Jean-Charles de venir quand même, en l'enveloppant soigneusement dans des couvertures. J'ai déjà pensé. Véronique ne marchera jamais, le dorlote, comme un poupon au berceau. Mon Dieu, Antoine. Quoi? Tu viens d'avoir une idée formidable. Moi, tu es sûr? Seul Frédéric. Bon. C'est fait. Alors? Alors, posons d'abord comme principe que Jean-Charles est malade. Si on veut. Et comment si on veut? Un garçon qui a failli avoir la fièvre de Marthe, ça ne te suffit pas? Mais il n'a jamais failli avoir la fièvre. Comment ça a été gagné? Il a failli, il a failli, il a failli, il a failli. Véronique se conduit très mal avec lui. Et il est de notre devoir de lui ouvrir les yeux et de lui faire comprendre qu'étant donné la gravité des circonstances, son rôle d'épouse est au chevet de son cher mari. Madeleine, tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Tu ne vas tout de même pas t'amuser à effrayer cette pauvre Véronique, dont le but de ne plus être très à table, ce serait très net. Entrez. Madame a sonné. Oui, priez Madame Véronique Chambon de monter, j'ai à lui parler. Bien, madame. Merci. Tout le monde est arrivé. Oui, madame, sauf Mademoiselle Taburo et Monsieur Dupaillon. Dites que nous descendons. Bien, madame. La main sur la conscience, je t'affirme que la conduite de Véronique me choque profondément. Attrape une maladie, tu verras. Si j'irai réveillonner chez tous mes amis, moi. Enfin, Jean-Charles n'est pas malade, voyons. Il n'a que 37,6. Ça n'est même pas de la fièvre. C'est de la température. Oh, il y a un petit peu, lui aussi, il avait 37,6. Ça n'a pas empêché de passer des mois dans un sanatorium. D'accord, mais il a fait 37,6 pendant un an, tous les matins, le petit vieux Jean. Et il avait 8 ans. Jean-Charles en a 40, et c'est un ancien champion olympique de javelot. Justement. Les organismes surentraînés par le sport sont encore bien plus fragiles que les autres. C'est très connu. Arrête de parler pour ne rien dire. Oui ou non? Veux-tu m'aider à remettre Véronique dans le bon chemin? Non. Parfait. Et je te demande instamment de ne me faire jouer aucun rôle dans ce traquenard. Très bien, je me débrouillerai toute seule, comme d'habitude. Pauvre Véronique. Alors ça, c'est l'apothéose. Pauvre Véronique, tu la plains? Oui, je la plains parce que je la connais. C'est une écorchée vive, une inquiète, une anxieuse. Elle va s'affoler. Si tu avais été là, tu aurais pu la raisonner, la calmer. Madeleine, tu ne mourras pas. Entrez. Hello. Besoin d'un adorable Véronique, chérie? Oui, juste 2 minutes. Tu t'amuses au moins. Oh, c'est une soirée formidable. Mais toutes tes soirées sont formidables. À votre santé à tous. Eh bien, Antoine, vous avez perdu quelqu'un? Hein? Non, non, pas encore. Excusez-moi, je vais finir de m'habiller. Que ça peut être lâche, un homme. Oh, tu ne dis pas ça pour Antoine, j'espère. C'est un chou. Non, oui, mais c'est donc d'appuyer sur un chou dans l'existence. Très bien, tu sais. Devine pourquoi je t'ai fait monter. Bah, pour me donner mon petit cadeau, bien sûr. Oui, c'est une très bonne idée. Commençons déjà par le petit cadeau. Ça doit être vraiment joli, dis donc. Je suis sûre que vous m'avez gâtée. Qu'est-ce qui fait croire ça, chérie? Oh, bah, du moment que tu me fais venir avant les autres pour me donner mon petit cadeau, c'est que tu ne peux pas faire de jaloux, évidemment. Ah, chiputée, non. Oh, terriblement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Antoine avait d'abord pensé à un tube de rouge à lèvres en argent. C'est un peu banal. Oh, bah ça, oui, j'en ai plein mes tiroirs. Ah, tu vois. Ça, alors, c'est bien une idée d'homme. Heureusement que tu étais là. Oui, heureusement. Oui, parce que moi, alors, tu vois, j'ai cherché quelque chose de tout à fait différent. Ça y est, j'ai trouvé. C'est un bijou. Oh, chérie, tu es folle. Mais je t'ai jamais dit que c'était un bijou. Oh, mais tu ne me l'as pas dit, mais je l'ai deviné. Ah, tu l'as deviné. Alors, si tu as deviné, le plus important, tu vois, c'est que tu ne gardes pas un trop mauvais souvenir de cette soirée. Oh, il n'est pas question que j'en garde un mauvais, tu sais. Oh, on ne sait jamais, ma chérie, tiens. Je peux ouvrir? Voilà, tu y allais. Des boucles d'oreilles en rubis. Oh, chérie, elles sont adorables. J'en ai des larmes aux yeux. Elles te plaisent, au moins? Oh, si elles me plaisent. Oh, elles sont ravissantes, oui. Ça, Antoine et moi, les aimions beaucoup. Eh bien, maintenant, nous serons trois les aimés.
ben voilà. Sans compter Jean-Charles, là, il adore que je porte des rubis. Encore un peu, je crois bien qu'il allait se décider à m'en offrir. Tu es arrivée à temps. Je suis contente, ça vraiment, je suis bien contente. À propos de Jean-Charles, justement, Antoine et moi, nous en parlions ce matin. Comment trouves-tu? Oh, mais Antoine, c'est un amour. Non, Antoine, Jean-Charles. Oui, Jean-Charles aussi, c'est un amour. Oh, et toi aussi, tu as un amour. Et moi alors? Oh, bon, tu n'as pas un peu de champagne? J'ai une de ses soins. Véronique, je te parle sérieusement. Oh, ça me va. Il s'agit de la santé de Jean-Charles. Je ne voudrais pas que tu t'affoles outre mesure. Je me dois de te dire la vérité. Sais-tu ce qu'il y a de plus dangereux dans la grippe? Mais bien sûr, c'est de l'attraper. Non, c'est la convalescence. On croit que tout danger est écarté. On relâche la surveillance. On arrive au nez chez des amis et craque. C'est la rechute. Il a toujours été rond. Rond? Mais ton mur là en face, il est rond. Il est rond, mon mur? Mais non, il n'est pas rond, mon mur. Oh, ben alors, c'est moi. Ah, oui. Ah, je suis rond, chérie, c'est merveilleux. La première critique. Oh, idiot, tu l'as gardé pour toi. Faut-il que je t'aime, hein? Oui, bien, entre nous, tu aurais mieux fait de la garder encore un peu. Quand on a comme toi un Marioli. Oh, qu'est-ce que j'ai? Un Marioli. Un Marioli. Un Marioli. Un Marioli. Un Marioli. Oh mon Dieu, mon Dieu, tu m'as fait une de ces peurs, tu sais. Je croyais que j'avais quelque chose de grave. Un Marioli? Le docteur Pelonçon nous a dit que le microbe de la grippe était particulièrement pernicieux cette année. Oh, mais c'est pas la peine de te mettre dans cet état-là, tu sais. Il est guéri, Jean-Charles. Il a 37,6. Non, non, 37,6. Le petit vieux Jean aussi avait 37,6. Ça n'a pas empêché de passer des mois dans un sanatorium. Non, le petit vieux Jean. Oh, le petit vieux Jean. Oh, bon, ça m'étonne, tu sais, parce que je l'ai encore rencontré ce matin. Oui. Mais tu non. Il a un peu grossi, mais dans mes grilles. Oh, parce que tu peux être drôle quand j'ai bu. Oui, chérie. Ah, bon, là-dessus, je descends. Oh, tu devrais venir voir si Jean-Charles, c'est formidable. Jean-Charles, ma chérie. Oh, t'attends, tu sais. Bye bye, et encore merci pour ces petits machins-là. Faut rigoler, Je crois comprendre que ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Et non seulement ça n'a pas marché, mais elle est partie avec mes boucles d'oreilles. Oh, Madeleine, tu lui as donné tes boucles d'oreilles. Oui, mais j'ai cru bien fait. C'était pour amortir le choc. C'était pour qu'elle ait moins de chagrin de s'en aller. Là-dessus, elle reste. Ce que j'ai dit, c'est comme si j'avais chanté. Ma pauvre chérie. Je t'en offrirai d'autres. Va, les mêmes. Hein? C'est ça. Pour qu'on dise qu'elle me les a prêtées. Oh, mais nous savons que nous sommes prêts à ça. Antoine. C'est peut-être la romancière qui a eu un accident. Oh, penses-tu que c'est encore la maison Prunier? Allô? Oui, oui. De Corbeil? Ah bon? Oui, j'attends, mais oui, monsieur. On nous appelle de Corbeil. Tu connais quelqu'un à Corbeil, toi? Personne. Alors, ce doit être une erreur. Allô? Oui, c'est moi. Oui, qui est à l'appareil? Du paillon! C'est du paillon! Mais qu'est-ce qu'il fait à Corbeil? Ben, demande-le-lui! Mais quelle bonne idée, du paillon! Qu'est-ce qu'il... Ah, bon! Il a un nom qui habite la région. Oui, ben, j'ai entendu, j'ai le truc là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu! C'est pas possible! C'est pas trop grave! Il a embouti un placard! Mais je sais, merci, j'ai le truc là. C'est moi qui lui ai acheté un Saint-Christophe pour bonheur. Allons, et vous avez trouvé quelqu'un pour vous remorquer assez facilement? Le garage Citroën à Corbeil. Ah, parfait. Mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. 5 ou 6 heures de réparation. Vous êtes sûr? Mais alors, vous ne pouvez pas venir. Ça y est, nous sommes 12. Oh, nous sommes désolés. Du coup. Comment le train? Quel train? Vous avez un train à 11h40? Alors là, il le fait exprès. Mais vous êtes fous, les paillons! Vous n'arriverez jamais jusqu'à la gare avec ce verglas. Les gens tombent sur les trottoirs comme des mouches. Vous venez de l'annoncer à la radio. C'est beaucoup trop dangereux, mon vieux. Surtout pour vous, qui êtes chauve. Faites-vous apporter un bon grog bien chaud et restez tranquillement à côté de votre voiture. Surveillez les réparations, ce sera beaucoup plus sûr. Voilà, c'est ça. Nous vous regrettons, du paillon. Nous vous embrassons. Voilà, joyeux Noël, du paillon. Pauvre du paillon. Ah, du paillon, nous allons pouvoir passer à table dans 10 minutes. Ah, je t'assure que pour une fois, je ne l'aurai pas volé. Ah, entrez. Et voilà.
clore tes longs sacs. Et Madame Gridoux, alors? Vous l'avez accouchée par téléphone? Presque. En arrivant porte-maillot, juste à l'entrée du bois, voilà une andouille de cycliste qui s'étale sous nos roues. Coup de frein, verglas, tête à queue, et hop, tous dans un bec de gaz. On descend, pas de mal d'ici, mais la roue avant droite a un petit air détaché qui en dit long. Je galope vers un bar pour téléphoner au Gridoux. Je tombe sur Madame Gridoux elle-même, très très mondaine. C'est vous, docteur? Docteur, je suis navré. J'allais justement vous appeler chez les Villardiers. Figurez-vous que je ne souffre plus du tout. J'ai dû me tromper. Croyez-vous que je suis bête? Mais bien sûr, pour la croire. Je la questionne par acquis de conscience. Aucun signe, bien entendu, pas le moindre symptôme. C'est pour la semaine prochaine et encore. Alors, que fait le bon docteur? Il revient, le bon docteur. Parle. Il entend le cri du caviar, il saute dans un taxi et le voilà, l'estomac creusé par le grand air et le bouton de manche fait en bataille. Regarde, je les ai mis. Oh. Pas de doute, c'était fait pour porter des émeraudes. Et maintenant, au travail, on commence quand? Docteur, je préfère être franche avec vous. Oh, Madeleine. Nous sommes 13. Mais bien maintenant, vous êtes 14, de quoi te plains-tu? Non, c'est maintenant que nous sommes 13. Bah, mais quelle importance, je ne suis pas superstitieux. Vous, mais les autres? Vous m'avez dit vous-même que c'était très embêtant pour une maîtresse de maison. Pour une maîtresse de maison un peu simplette, oui, c'est pas ton cas. Si tu t'imagines que je vais aller souffler tout seul au bistrot du coin. Oui. Oh, voyons, docteur, vous pensez bien que Madeleine n'accepterait jamais une solution de cet ordre, même si vous la proposiez vous-même. Et il n'en est pas question de toute manière, soit grande. Tu ne réveillonneras jamais à 13, je mangerai plutôt comme 4. Oh, avec tout ça, moi, j'allais oublier de vous raconter le plus beau. Vous avez fait encore mieux. Quand je suis arrivé au petit bar de la porte maillot pour téléphoner, la cabine était déjà occupée par une dame. Elle criait si fort qu'elle aurait pu aussi bien se passer de téléphone. Et j'arrive juste à temps pour l'entendre glapir. Je veux bien aller chez toi, moi, mais si on se fait pincer par Véronique. Hein? Par Véronique? Oui, le prénom me frappe, bien entendu. Je laisse sortir la dame. Tu la connais? Pas moi, en tout cas, une grande rousse dans le genre dévastateur. Elle sort et je la suis des yeux. Elle traverse tout bonnement le boulevard Pershing et elle entre au 21. 21 boulevard Pershing? Mais c'est bien l'adresse de Jean-Charles? Tout juste! Ce garçon a une drôle de manière de faire tomber sa température. Et moi qui le croyais corsé à ma Véronique! Eh bien, tu vois, il appartient aussi à la rousse. Ouh! Pas un mot de tout ça, Véronique. Je me charge de frotter les oreilles de Jean-Charles un de ces jours. À tout de suite, mes enfants. J'ai soif! Je le savais que ce serait une soirée à catastrophe. Oh, mais non, voyons. Ce sont des coïncidences malheureuses, voilà tout. Une série de coïncidences malheureuses. Il n'y a pas encore de catastrophe à proprement parler. Elles arrivent, je sens. Duc, va te remettre un peu de poudre, il faut tout de même que nous nous décidions à descendre. C'est ça, descendons. Quitte à tomber dans l'escalier, mais descendons. Le destin est en marche. Buenos días, Antonio el Caballero! Dolores! Dolores! Il a une syncope. Et syncope, c'est quoi en espagnol? Je ne sais pas, madame, je vous dis d'appeler le docteur. Oui, bien, il s'appelle comment, le docteur? Pelursa. Oui, bien, Pelursa. Non, c'est le docteur Pelursa. La prochaine fois, nous irons au certainement la chaleur, il fait beaucoup trop chaud chez toi, si tu veux mon ami. Frédéric est allé chercher des sels il n'y a qu'un temps. Voilà les sels, docteur. J'ai aussi apporté du vinaigre, c'est très bon le vinaigre pour les syncopes. J'ai vu des cas. Moi aussi, mon ami, merci. Vous l'avez pas fait, docteur? Madame Parimi, elle est ok. Antoine vient d'avoir une syncope. Oh mon Dieu, ça y est, je vais me trouver mal. Ah non, si quelqu'un doit se trouver mal, ici c'est moi. Ah, tous à la fois, vous serez bien gentil. Docteur, monsieur a voulu
bouger les paupières et il commence à respirer normalement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, oui, je suis très observateur. Je suis sûr maintenant qu'avec un peu de vinaigre, c'est très bon, le vinaigre. Surtout pour les salades, mon cher confrère. Descendez, Frédéric, on a sûrement besoin de vous en bas. Et surtout pas un mot sur l'indisposition de monsieur. Sauf évidemment si on vous pose des questions très précises. Que madame se rassure, aucun des invités de madame n'est en état de poser des questions précises. Ces messieurs-dames ont organisé un concours de champagne. On croit que monsieur Badaboff battra mademoiselle Taburo en finale. Alors, chérie. Oh, chérie. Tiens, je suis par terre. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Mais on comptait sur toi pour nous le dire, mon chéri. Vous vous êtes évanoui, mon vieux, c'est tout. Évanoui? Ah oui. Oh oui, je m'en souviens. Croyez-vous que c'est belle? Moi, c'est de la chaleur. Oh, probablement. Je n'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Allez, allez, lève-toi. Donnez-moi donc un coup de matou. J'ai heurté la table en me retournant juste à l'entrée de madame. Oh, j'ai dû me cogner la tête contre le meuble. Oh, j'ai une de ces que tu peux être maladroit, mon pauvre trésor. Nous avons vraiment une étrange façon de vous recevoir, madame. Toutes nos excuses. Mais pour qui, au contraire, moi, je trouve que la réception est tellement plus rigolo comme ça. C'est vrai, il entre. Les seigneurs me voient et ils tombent sur le tapis. C'est le coup de foudre, non? Pourquoi pas? Un grand merci pour votre indulgence. Grâce. Merci aussi, Toubib. Pas de prescription spéciale, il n'a besoin de rien. Fichtre si, il a besoin d'un bon coup de brosse. Bon, maintenant, on vous laisse. On va aller boire un verre à la santé d'Antoine. Allez, en route. À moi, le hockey de madame Paribu. Je refuse du monde. Et moi, je profite pour aller chercher les petits cadeaux qui est en bas, dans la poche du manteau. C'est vraiment trop gentil. Madame Kukuzko a tenu absolument à te faire une surprise. Ah oui, mais je suis au courant. Trop aimant. Tout le plaisir est pour moi. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Alors, chérie, comment te sens-tu? Un peu mieux. Madeleine? Oui. Il faut que je te dise une chose. C'est grave. C'est très grave. Je t'aime. Mais j'espère bien. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. Je veux que tu le saches et que tu ne l'oublies jamais, quoi qu'il arrive. Ah, toi aussi. Quelle impression qu'il va arriver quelque chose. Oh, moi aussi. J'ai une sorte de crispation au creux de l'estomac. Ou c'est un pressentiment, ou j'ai faim. Quelle heure est-il? 11h07. Nous avons peut-être encore une chance. Mon Dieu, Saint-Antoine, faites qu'il y soit encore et je vous donne 100 francs. Suisse. Allô, les renseignements. Allô, mademoiselle. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je téléphone, ce ne sera pas. Allô, mademoiselle, je voudrais le garage Citroën à Corbeil. Oh. Non, non, je n'ai pas le numéro. Vous le trouverez dans l'annuaire. Moi aussi, d'accord, mais moi, je n'ai pas l'annuaire. Voilà, alors j'attends. Merci, mais alors, tu veux téléphoner à Dupaillon? Mais bien sûr, il nous a dit qu'il avait un train à 11h40. Il peut encore l'avoir, il faut qu'il l'ait. Alors, tu penses encore à ces bêtises après tout ce qui vient de se passer? Mais c'est justement ce qui vient de se passer qui me fait encore penser à ces bêtises, comme tu dis. Il est évident que nous allons d'embêtement en embêtement. Alors, ça ne compte plus sur moi pour te contredire. Et pourquoi allons-nous d'embêtement en embêtement? Parce que nous sommes 13, un point c'est tout. Que Dupaillon attrape son train et nous sommes sauvés. Ma pauvre chérie, s'il suffisait de prendre un train pour arranger les choses, j'en prendrai un tout de suite. En tout cas, nous serons 14 et moi, ça me suffit. Allô, mademoiselle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'apprend par cœur son annuaire. Mademoiselle, mademoiselle. Personne n'échappe à son passé, Madeleine. Oh, on ne commence pas à gémir, Antoine. C'est pas le moment de te laisser abattre. Enfin, je retrouverai difficilement une meilleure occasion, hein. Allez, allez, prends un coup d'arquebuse. Ah non, merci. Ça ferait double emploi. Serre-toi un verre, là. Écoute-moi, le petit bar. Allez, ça fera du bien. Allô, oui, oui. Merci, vous êtes un ange. Merci, mademoiselle. Allô, allô. Allô, le garage Citroën à Corbeil. Oh, pardon de vous déranger, monsieur. Auriez-vous encore chez vous un monsieur Dupaillon? Dupaillon. C'est un monsieur qui a eu un accident dans la région ce soir même et dont la voiture est en réparation chez... C'est ça, un petit chauve. Il est encore là, c'est merveilleux. Demandez-lui de venir immédiatement à l'appareil. Merci, monsieur, j'attends. Ça y est, je le tiens. Le bon Dieu est avec nous. Eh bien, il ne sera pas de trop. Quelle heure est-il? Hein? 11h13. Ah, 12. Allô, Dupaillon. Dupaillon, c'est Madeleine. Comment ça va, Dupaillon? Des douleurs intercostales. C'est rien, ça, mon vieux. Ça ne mérite qu'un haussement d'épaule. Ah,
Vous ne pouvez pas hausser les épaules non plus. Ah bon, ce sera pour une autre fois, on n'y pense plus. Écoutez-moi, les paillons. Et surtout, ne me faites pas répéter. Vous allez vous précipiter à la gare, sauter dans ce fameux train de 11h40 et arriver ici coûte que coûte. Ne discutez pas. Les paillons, ne discutez pas, c'est pas moi qui vous le demande, c'est Antoine. Votre vieux copain Antoine, qui n'arrête pas de répéter, pas de réveillon, sans du paillon. Vous ne pouvez pas lui refuser ça après tout ce qu'il a fait pour vous. Sans Madeleine, un peu de délicatesse. Bravo, voilà qui est parlé du paillon. Courez, mon vieux, courez jusqu'à la gare. Hein? Quoi le verglas? Quel verglas? Ils font, c'est le dégel. Ils viennent de la montée à la radio. Courez du paillon, nous vous attendons. Tu n'as aucune pudeur. Tu sais bien qu'il est asthmatique, du paillon. Non, il est trop gros, voilà tout. Bon, en attendant, du paillon, je vais faire préparer des petits sandwichs pour ceux qui auront trop faim. Je vais aller les prévenir. Oh, mon chéri, s'il te plaît, tu pourrais me chercher mon gros bracelet. Je crois que je l'ai laissé sur ma coiffeuse. Quoi? Il faudra aussi que je te parle. Pas maintenant, chérie, pas maintenant, mon amour. Tu cherches mon bracelet, oui, s'il te plaît. Et tu fermes la porte. Merci, chérie. Oh! Il ne vous dérange pas trop grandement, j'espère. Jamais. Vous êtes toujours la bienvenue, vous le savez bien. Gracias. Je venais justement vous porter les petits cadeaux pour Noël. C'est trop gentil, merci. Il a l'air tout petit, mais c'est un cadeau qui peut faire largement pour tout le monde. Ah, c'est une pince à sucre? Ah non, il fait du bruit. Si, c'est un cadeau qui fait un peu de bruit. Oh, mais oui, j'entends tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, je sais, c'est une pendulette de voyage. Oh, merci, j'adore. Vous êtes merveilleuse, mon mari me le disait encore tout à l'heure. Vous avez fait sa conquête. Oui, ça y est fait. Je peux ouvrir. Surtout pas. Il y avait avant minuit. Non, voyons, cette petite boîte, tout la met dans un coin et tout pense entre sauces. Oui. Et brusquement, à la minuit tapante, badabou, c'est la surprise. Dieu de l'œil. Et c'est une surprise qui te fera sauter en l'air, chère relation bien-aimée. Oh, j'avais la boîte dans le tiroir, je ne saurais même plus où je l'ai mise. C'est merveilleux. Il y a tout ça un côté exotique. Je vous l'ai déjà dit, j'adore tout ce qui est exotique. À propos, vous avez l'heure exacte. Toujours, ça peut être une question des vies ou des morts. Il est exactement 11h plus 20 minutes et 3 secondes. C'est parfait. Des paillons doivent arriver à la gare, tout va bien. Et Antoine, qu'est-ce qu'il fait? Antoine! Mon chéri Antoine! Alors? Je ne trouve pas ton bracelet, moi. Oh, l'importance. Je sais, j'ai dû le poser à côté de la bibliothèque. Je vous laisse! Tu ne veux pas que je t'accompagne? Ce serait peut-être plus correct pour nos invités. Mais non, je t'excuserai auprès de nos amis. Au contraire, profites-en pour donner à madame les renseignements qu'elle désirait avoir. C'est vrai, ici, vous allez être bien tranquille. Ces vieux hôtels de la rive gauche ont des murs tellement épais qu'on pourrait tirer les coups de revolver dans une pièce sans qu'on entende quoi que ce soit. C'est du moins ce que prétend notre architecte. Mais enfin, tu n'as pas besoin de raconter ça, madame. Pourquoi? D'ailleurs, les architectes sont tous des menteurs, c'est bien connu. Oh. Mais on ne peut rien dire tant qu'on n'a pas essayé. Très juste, il faudra que j'y pense. Et un jour, Antoine me trompe. Pam, pam. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Et bien voilà. Le monde est vraiment petit. Bonjour. Chérie. Bonjour Dolores. Je suis... Tout est embêté, ça c'est vrai. Oh, pas du tout. Non, ému plutôt. Voilà, je suis ému. Comme le chasseur qui se réveille dans les bras d'une panthère. Ah, le hasard fait bien les choses, hein. Mais c'est pas le hasard, Antonio, c'est télévision. Télévision? Non, pas, tout pense bien que l'idée ne serait jamais venue de chercher Antonio El Caballero dans les boulevards Saint-Germain. Il était croyé mort, chérie. Tout le monde à Santa Rosalina te croyait morte. C'était le bon temps. Et puis il y a trois mois, il regarde télévision, il y avait justement un groupe d'industriels français qui était là pour une congrès. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y reconnaît avec le gros cigare? Antonio El Caballero. Bon, enfin bref, tu m'as retrouvé. Eh ben tant mieux finalement. 19 ans de recul vont nous permettre de juger le passé sous un angle purement objectif, loin de l'ivresse des passions qui est toujours mauvaise conseillère. Oh, tout parle bien, série. Tu devrais avoir 22 petites carafes, là, tu vois. C'est
Bon, bon, alors d'abord commençons par nous serrer la main. Pourquoi faire? Après tant d'années, tu m'en veux donc encore? Moi, c'est-à-dire que si j'étais sourd de te faire attraper la peste en te pardonnant, je te pardonnerais tout de suite. Chut, doucement, doucement, doucement. Si on nous entendait... Qui ça? Ta femme, ce morceau d'éponge? Oh. Non, mais dis donc, qu'est-ce que ça me fait qu'elle entend ou qu'elle n'entend pas? Ah, tu crois peut-être que je suis venu ici pour manger petit gâteau? Alors là, tu te trompes, Antonio. Devine ce que c'est dans le sac. Eh bien, un revolver, naturellement. Alors reste bien tranquille. C'est bien simple tout à l'heure. Tu sais, quand tu es tombé là, je me suis dit, tiens, il est tiré sans le faire exprès. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu attends? Tire! Oh, mais comme tu as bien dit ça, chérie. Mais d'abord, que je te regarde un peu. Tu te rends compte, Antonio? 19 ans sans toi. Et je te retrouve. Presque les mêmes. Évidemment, tu as gonflé des partout, mais ça... J'ai un peu grossi, si c'est ce que tu veux mais dire. Mais ça veut rien du tout, Yura, le cavaliero. L'homme qui sautait au vol sur son cheval noir et qui faisait coucher les filles rien qu'en les regardant. Embrasse-moi. Ah non, par exemple. Si y a un bémol, embrasse-moi. Et c'est bien pour te faire taire, hein. Je cherchais madame. Madame n'est pas là. Que monsieur m'excuse, c'est une question stupide. Et voilà, pincé par mon domestique. Nous nageons en plein vaudeville. Bravo et merci. En tout cas, c'était bon, Antonio. Oui, oh, c'est une jolie consolation. Si jamais cet imbécile bavarde, je connais Madeleine, elle demandera le divorce. Mais elle pourra pas se rester la veuve. Ah oui, c'est vrai. Alors ça recommence. Écoute, d'abord, il faut qu'il y ait quelque chose. Pourquoi m'as-tu quitté, Antonio? Mais à quoi bon maintenant? C'est une si vieille histoire. Mais c'est la question de ma vie. Elle est dans ma tête comme une rat dans sa case, dis-le-moi, Antonio. Pourquoi m'as-tu quitté? Je t'ai quitté parce que j'avais peur. Hein? Mais oui. Toi, Antonio, El Caballero, tu avais peur? Parfaitement. Et peur de quoi? De toi. De moi? Alors ça, c'est plus beau que tout. Peur des mois. C'est aussi bête que ça. Tu avais fini par devenir mon cauchemar. Et comment elle s'appelle, la cauchemar, en espagnol? Pesadilla. Pesadilla, oui. Moi? Una pesadilla? Adios, Antonio! Ah, une seconde, tu as mal compris. Ah non, écoute, sors de là. Sors de là si tu ne veux pas mourir comme une cochonne. Enfin, allez, debout, Antonio, debout. Mais puisque je te dis que tu as mal compris, je n'ai jamais dit que tu étais maigre, bon Dieu. Laisse-moi t'expliquer. Oui, bien expliquer, très vite alors. Non, non, rentre d'abord ce revolver. Non, explique d'abord. Non, non. Pardon de vous déranger. Je suis toujours à la poursuite de ce maudit bracelet. Qu'est-ce que tu fais là? Non, toi. Moi, c'est très simple. Figure-toi que je... Le seigneur Villardier était en train de me montrer comment ça se coyote dans Paraguay. Antoine, il n'a jamais tiré un coup de fusil de sa vie. Oh, quand il sortait de ses phosphates, c'était pour aller jouer au bridge, n'est-ce pas, mon chéri? Oui, oui, en principe. Oh, je t'imagine face à un coyote. Ou pour Juba. Continue, ça te fait toujours faire un peu d'exercice. Santa Maria. Non, mais c'est pas possible, une femme pareille. Tu as dû la gagner dans une tombola de bienfaisance. Oh. Parle un peu moins fort, tu... Laisse Madeleine en dehors de tout ceci. C'est une femme admirable. Et moi, la pesadilla. Non, non, je t'en prie, laisse-moi respirer. Tu as déjà respiré 19 ans de trop. Et bien justement, 5 minutes de plus ou moins, qu'est-ce que tu as pas fait? Allô, oui. Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? La maison Prunier, encore! Oui, oui, c'est au sujet des huîtres, comme d'habitude. Eh bien, ne quittez pas. Tiens, c'est les huîtres. Allô, ici Madeleine Villardier, j'écoute. C'était lui, oui. C'est ça. Je préfère. Merci. Ils rappelleront. Ah bon? Parce que maintenant, ils téléphonent pour dire qu'ils rappelleront. Alors ça, c'est très chanceux. Oui, ils préviennent. Je ne vois pas s'ils téléphonent. Ils peuvent m'aider à fermer mon bracelet. Tu sais où je l'ai retrouvé? Dans le petit tiroir du secrétaire. Qu'est-ce que tu as à trembler comme ça? Non, je ne tremble pas. Je m'énerve. Là, ça y est. Merci.
Il est joli, non? C'est un cadeau de mariage de mon mari. Il l'avait rapporté d'Amérique du Sud. Ravissant, señora. Tellement ravissant, señor, qu'on jurera qu'il a été choisi par une femme. Ah oui? Tiens. Il paraît que ce sont les tribus indiennes du Paraguay qui font ce genre de choses. En tout cas, c'est du joli travail. Très beau. Je vous laisse. Mais non, pourquoi? Assieds-toi un peu, repose-toi. On bavardera. Ah, me reposer, si tu voyais dans quel état ils sont en bas. Je vais vous faire monter une bouteille de champagne pendant qu'il en reste encore. Vite que du pain arrive, sinon nous allons réveillonner sous la table. Jesús María. Et elle porte mon bracelet par-dessus le marché. Mais non. Quoi, mais non? Alors c'est peut-être pas mon bracelet. C'est lui que nous avons choisi ensemble, le jour que tu as été nommé gouverneur et que tu as volé en partant, Antonio. Pardon, tu l'avais oublié dans le petit coffre du bateau. Et c'est là que je l'ai retrouvé le lendemain par hasard, en pleine mer. Je ne pouvais tout de même pas revenir pour te le rendre. Allons, ne parlons plus de ce bracelet, Dolores. Mais pas au diable avec ton bracelet, tu m'en moques. Tu m'en moques de tout, d'ailleurs. Même de la République de Santa Rosalina. Mais que tu m'as quitté. Comme s'il était une chienne malade, sans même laisser le petit mot sur le coin de la table. Ça, non, Antonio, non! Mais puisque je te dis que j'avais peur, c'est un sentiment qui pousse à perdre de la vitesse, pas de la correspondance! Peur! Toi, l'homme qui, à Zapatapa, m'avait sauté le plus grand dépôt de Minidiane. Mais cet homme-là n'avait peur de rien! Tu étais né pour ça, Antonio! Mais pas du tout, justement! Mais tu étais là, près de moi. Je t'aimais, mon chéri. Je t'aimais au-dessus de mes forces. Ça ne pouvait pas durer, Dolores. Il fallait bien que ça casse un jour ou l'autre. Et bien ce jour-là, j'ai fiché le camp, voilà tout. Oh, pouvoir se coucher dans un lit sans regarder s'il n'y a pas une bombe dessous. Si tu savais comme c'est bon. Mais par quel moyen voulait que tu sois le plus grand héros de toute l'Amérique du Sud? Tu sais, la nuit, quand je te regardais dormir, je me disais... Encore deux ou trois bonnes guerres. Et le nom de mon Antonio sera dans tous les livres d'histoire. Mais non, merci. Moi, je préfère qu'il figure dans l'annuaire des téléphones, ça me suffit. Alors, mais en manque. Aucune importance, j'en ai pris l'habitude. Oh, mais tu as tort de plaisanter, Antonio. Tu sais que je ne suis pas seulement la petite femme jalouse qui suit son amante. Non, non. Je suis venue ici en mission officielle. Attends, je vais te lire le papier. Quel papier? C'est le jugement qui a été rendu contre toi par la Cour suprême de Santa Rosalina. Tu as été condamné à mort, chérie. À mort? À l'unanimité plus une voix. Hein? Ah oui, tu as voté deux fois. Écoute, je dois te les lire, sinon ton destin ne serait pas réglementaire. Tu es prête? Oui, bien. Ce deuxième août, au mois de juin 1971, le tribunal suprême de Santa Rosalina s'est réuni pour juger le nommé Antonio Diel Caballero, ancien gouverneur accusé d'avoir trahi et déserté la République. C'est pas grâce à moi. Frédéric est submergé. Alors je vous apporte ça moi-même. Comme ça, c'est plus sûr. Tout va bien? Un peu mieux. Oh là là. Je vais vous demander la permission de me réfugier quelques instants près de vous, parce qu'en bas, ils sont déchaînés. Mon Dieu, il me tarde que du paillon arrive pour pouvoir passer à table. Oh, pardon, madame. Je vous ai interrompu. Vous étiez en train de lire un chapitre de votre roman. Pardon? Ah, si. Si, si, justement, j'étais en train de lui lire. Une scène d'amour? Pas tout à fait. C'est la lecture du jugement qui condamne Antonio El Caballero à mort. À l'unanimité plus une voix. Plus une voix? Ah, ça, c'est amusant, là. Seulement. Oh, mais je vous en prie, continuez. Il y a dans tout ça un parfum exotique, j'adore. Tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, ça me passionne. Continuez, madame. Non. Écoutez, j'ai si peur qu'il vous ennuie. Mais je viens de vous le dire, je suis passionnée. J'écoute, j'adore. Je n'ai jamais entendu condamner quelqu'un à mort. C'est une bonne occasion. C'est pas une bonne occasion? Madeleine. Ça m'étonne si tu en trouves une meilleure, madame, c'est une grande amie. Je vous écoute. Gracias. Était présent à la réunion, premièrement, Paolo del Santiago, chevalier de l'Aigle et titulaire de la médaille d'or de Saint-André. Deuxièmement, son éminence... Si vous permettez, tu ferais mieux de t'asseoir. Pourquoi? Ça risque d'être un peu long, n'est-ce pas? Hein? C'est un conseil de 47 membres et on commence toujours par citer les moins importants. Oh, bah, en effet. Et ils portent toutes leurs décorations? Non. Pour ça, ils ont une cheval. Oh, pauvre bête. Vas-y, madame. Gracias. Deuxièmement, son éminence Camillo Mandriguez, évêque de Santa Rosalina, commandant en chef de l'infanterie de la République, grande croix de mât, membre d'honneur de l'impérial pouvoir et grand titulaire de la plaque du soleil de bas.
possible guerrier et chevalier du mérite agricole. Après... Madeleine. Quoi? C'est du paillon? Mais non, c'est pas du paillon, c'est madame qui vient de terminer. Oh, bravo, super. Félicitations, madame. Tu peux continuer. Je vous en prie. Et pourquoi m'as-tu dit c'était fini? Mais je parlais d'énumération. Ben, exprime-toi clairement, toi, vraiment. Continuez, madame, j'écoute. Gracias. Après qu'il a été entendu lecture de l'acte d'accusation et qu'il a été délibéré, la sentence est suivante, a été décidée à l'unanimité plus une voix. Article unique. Le dénommé Antonio Di El Caballero est condamné à mort. Bravo! Ce deuxième août au mois de juin 1971 et c'est tout. Moi j'aime beaucoup ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. À toi? Tu penses? Il faut en parler à Balabor, c'est un sujet de film, c'est évident. Imagine tout ça en couleur, avec les chevaux, les décorations, mais ce serait... Quelle heure est-il? Minuit moins 10. Le paillon va arriver. Je suis désolée de vous faire souper si tard, madame, mais je suis sûre que vous êtes comme moi. Vous devez avoir horreur d'être très à table. Et pourquoi s'il y a mangé pour tout le monde? Remarquez la raison. En général, chez nous, on dit que ça porte mal... Enfin, que ça ne porte pas bonheur. À qui? Si on le savait d'avance, ce serait trop beau. Remarquez-moi, je n'y crois pas du tout. Je fais semblant d'y croire au cas où. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi non plus. Ça n'a pas l'importance. Le plus important, c'est d'être 14. Et surtout, jamais. Jamais très. Chérie! Chérie! Qu'est-ce qu'il y a? Je t'embrasse et je m'en vais. Comment tu ne réveilles pas avec moi? Oh non, ce sera au-dessus de mes forces. Mais enfin, Véronique! N'insiste pas, c'est inutile. Mais Véronique, je suis désolée, Antoine. Non, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Enfin-moi, Jean-Charles. Jean-Charles, tu plaisantes, chérie. Je te dis qu'il est malade. Je le sens. Toi aussi, d'ailleurs. Je suis malade, moi. Oh, mais non, toi aussi, tu sens que Jean-Charles est malade. Oh, la preuve, c'est que tu as essayé tout à l'heure de me le faire comprendre gentiment. Oh, malheureusement, j'étais dans l'état de comprendre quoi que ce soit, j'avais bu trop de champagne. Et là-dessus, il y a l'imbécile qui t'a fait boire de l'eau. Le docteur, je parle. Ah, mais non, c'est la syncope d'Antoine qui m'a dégrisée. Oh, ça m'a donné un tel coup. Alors, tout ce que tu m'avais dit m'est peu à peu revenu à l'esprit. Les températures, le petit vieux Jean. Le petit vieux Jean. Mais dis-ce que vous avez tous avec le petit vieux Jean? Il va très bien, le petit vieux Jean. Il vient de faire un enfant à la bonne de sa mère. Demande à Antoine, il y était. Moi? Comment ça, j'y étais? Oui, tu y étais quand sa mère nous l'a dit. Oh, mais parce qu'il dort. Mais impossible, le téléphone, c'est un bruit d'enfer. Non, oh, il faut que j'aille. Non, non, non. Tu ne vas pas tomber comme ça à la fois sur le dos de ce garçon. Il ne s'y attend pas du tout, Jean-Charles. Ça va lui faire un choc terrible. Demande à Antoine. Hein? Ah oui, un choc. Un choc. Un choc. Et là-dessus, il te piquera un bon accès de fièvre. C'est tout ce que tu auras gagné. En tout cas, il prendra ça très mal. Moi aussi, je te préviens. Mais enfin, c'est très méchant ce que tu dis là, pourquoi? Madame, je vous prends un témoin. Et pour que moi, je n'ai rien vu. Alors, pour être témoin, il faut avoir vu quelque chose, non? Non, 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 ça ne fait rien, vous êtes là et vous êtes femme. Et moi aussi. Oh, imaginez un instant que l'homme de votre vie soit en danger de mort. Ah, ça, c'est facile. Il est. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous hésitez seulement une seconde? Non, il laisse crever. Oh! Flanquer mon réveillon par terre pour rien du tout. C'est... Oh, enfin, dit quelque chose. Il y a une marche. Il y a une marche, tu entends? Il a dit il y a une marche. Mais parce que Jean-Charles est en danger, c'est toi-même qui me l'as affirmé. Je ne peux plus rien te dire maintenant, écoute. Non, 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 d'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi je suis encore là. C'est criminel de ma part. Appelle-moi demain. Véronique, si tu parles, nous sommes 13. Alors, vous serez 13. Véronique! Alors, tu es content? Moi, pourquoi? C'est ta faute. Ma faute? Si tu ne t'étais pas évanouie, Véronique aurait continué à boire du champagne. Elle n'aurait jamais pensé à téléphoner à Jean-Charles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, non, alors je t'assure que tu as une logique bien à toi, hein? Et maintenant, elle va arriver chez elle comme un boulet de canon et trouver son mari dans les bras de la rousse. Le dictionnaire? Madeleine est une femme admirable. Mais elle a autant de cerveau qu'une gigot de mouton. Eh bien, tant mieux. Il y a longtemps que j'en suis revenu des femmes cérébrales, figure-toi. Ah. Madeleine, Madeleine, a toutes les qualités que je désigne. D'abord la douceur, oh. Et puis elle est fidèle. C'est une femme... Madeleine, qui est à l'appareil? La mise en poignée.
Encore vous, écoutez, monsieur, si vous vouliez bien me dire une fois pour toutes, vous entendez bien, une seule fois. Ils ont raccroché. C'est un monde, hein? Antonio, tu deviens nerveux. Et après, j'ai des excuses, non? Tu es embêté, hein? Avoue que tu es embêté. Eh bien oui, là, je suis embêté. Je suis même l'homme le plus embêté du 7e arrondissement. Te voilà content. C'est-à-dire, c'est fichu. Oh, c'est fichu, elle est partie. Qui Véronique, évidemment. Ah. C'est à devenir folle. Oh, quelle soirée, mon Dieu, mon Dieu. Si seulement Dupaillon pouvait rater son train. Ça m'étonnerait beaucoup. Après tout ce que tu lui as dit, il a dû courir ventre à terre jusqu'à la gare. Justement, il sera peut-être tombé avant. Madeleine, voyons. Je sais, il ne faut pas trop lui en demander. Cette soirée est une catastrophe, madame. Ce qui me console, c'est que ça ne peut pas être pire. Ah, ça, on ne le sait jamais, Señora. Faites-moi confiance, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Heureusement, d'ailleurs. Tu crois bien que ce serait une grossièreté? Santa Maria, non, mais vraiment, elle découragerait une perroquette sauvage. Oh. Dolores, tu as eu l'air d'insinuer tout à l'heure que Madeleine aurait sans doute à souffrir de notre différend. Je te préviens solennellement que je ne le supporterai pas, c'est clair. Mais est-ce qu'il y peut quelque chose? Ça, évidemment, ça va être une grosse scandale et elle sera dedans jusqu'aux oreilles. Mais enfin, c'est pas moi qui t'ai dit de l'épouser, Antonio. Mais bon Dieu, mais c'est impossible! Elle en mourrait de honte. Il faut bien qu'elle meure de quelque chose. Oh. Et comme ça, ne peut pas être d'une ménazite. Ça, évidemment, c'est pas le rêve pour femme du monde de venir s'asseoir devant tribunal. Ça, il comprend très bien, remarque. Quoi? Madeleine devant un tribunal? Tu es folle? Mais à quel titre? Et les bisous de la République, c'est elle qui les porte, non? Mais c'est une infâme calomnie. Oh, Madeleine ignore tout de mon passé à Santa Rosalina. Elle est innocente. Je le prouverai. Mais ça, c'est des choses qu'on peut jamais prouver complètement, série. Mais tais-toi, Dolores, tais-toi. La maison première, maintenant. Pas venu pour perdre, Antonio. Je ne veux pas qu'on fasse du mal à Madeleine. Bon, alors maintenant, vide ton sac. Qu'est-ce que tu exiges? De l'argent? Non, bien sûr, ça serait trop beau si c'était pénal. Alors, quoi? Toi. Moi? Comment l'entends-tu? Il est dit comme il le pense, Antonio. Nous allons partir tous les deux en voyage. Il faut qu'on arrive à Santa Rosalina avant les élections pour que tu sois nommé gouverneur. Encore? Mais ma parole, ça tourne à la manie. Mais c'est nécessaire, tu es le seul homme qui peut empêcher le peuple de faire révolution. Il n'est pas content du tout, le peuple. Tu sais, la semaine dernière, ils ont parlé du ministre de la guerre. Oh, les braves gens, hein? En tout cas, n'espère pas qu'il soit encore question d'amour entre nous, hein? C'est un prisonnier que tu emmènes. Ça m'est légal, Antonio, ça toi, je suis désolée. Il faut absolument que tu descends, chérie. Madame Boff est en train d'organiser une partie de saute-mouton dans la bibliothèque. Ils vont tout passer. Je suis confuse de vous l'enlever, madame, mais vraiment... Mais je vous en prie, c'est un millier fou sourd que vous me le rendrez bientôt. Naturellement, quand vous voudrez. Viens vite, chérie, et surtout sois ferme. L'existence de nos opalines roses est en jeu. Tant pis. Madeleine, il faut d'abord que je te parle. Ce que j'ai à te dire est grave, très grave. Oui, mais pas maintenant, chérie, pas maintenant. Entrez. Jean-Charles! Qu'est-ce qui se passe? Où est Véronique? Je ne sais pas, en plus aussi. Je le sais, Madeleine, il faut que je vous parle. Je suis très embêté. Bonjour, Antoine. Bonjour. Oh, pardon, madame. Monsieur Jean-Charles Chambon, le mari de Véronique. Madame Consuela Popusco. Madame. Bonne soirée, Seigneur. C'est vous le grand malade qui était dans les bras de la rousse? Ça se fait déjà! Vous n'avez pas honte la veille de Noël? Oh, c'est ben... ça que vous appelez avoir la grippe? Je vous jure que vous vous méprenez. Oh, ne vous fatiguez pas, on vous a vu. On m'a vu? Exactement. Un de nos invités a vu cette dame rousse entrer dans votre immeuble. Oh, bon, mais qu'est-ce que ça prouve? Mon immeuble n'est pas un immeuble interdit aux femmes rousses. Gros malin. Et la conversation téléphonique que vous avez eue avec elle juste avant, quelqu'un l'a entendue. C'est elle-même, d'ailleurs. Madame, il faut me tirer de là. Véronique est au courant? Je ne pense pas. Elle tremblait pour votre santé, pauvre petite idiote. Après avoir vainement essayé de vous téléphoner trois fois de suite pour prendre de vos nouvelles, elle est partie. Elle vous a pincé, naturellement. Oui,
Enfin non, enfin je ne sais pas. Cette amour, ça allait partir. J'ai voulu la raccompagner. Juste comme nous débouchons sur le trottoir, patatras, un taxi s'arrête et Véronique en sort. Et quand je dis qu'elle en sort, elle en bondit comme une panthère de derrière un buisson. Ça m'a fichu de ses fous, vous pensez bien, je ne me suis pas attardé. J'ai plongé dans la voiture avec cette dame et hop. Véronique, vous avez vu? T'en sais rien, mais qu'est-ce que ça change? Elle va trouver l'appartement vide et dans 10 minutes, elle sera de retour ici griffe au vent. Qu'est-ce que je vais lui dire? Joyeux Noël! Ah merci, à ça j'aurais pas pensé. Vous lui direz que vous êtes venu la rejoindre pour réveillonner avec nous tous. Et nous nous croisés en cours de route, cet enfantin. Comme ça, nous serons 14, 15 même avec Véronique. Du paillot peut rater son train maintenant, ce moment. Madeleine, faut que je vous embrasse. Oui, vous embrassez beaucoup ce soir. Ça vous sert de leçon, vous vous en tirez à bon compte, mais... Sauf bien sûr si la señorita Véronique a vu le seigneur avec la fille du trottoir. La fille du trottoir, ah oui, encore ça, et si elle nous a vus sur le trottoir. Eh bien, vous lui direz que c'est une cliente qui est arrivée au moment où vous alliez sortir. Après tout, vous êtes dans les assurances. Pas à minuit moins le quart. Oh, papa, cette dame dérape sur le verglas, affolée. Elle court chez qui? Chez son assureur. Madeleine, vous êtes extraordinaire. Ça a l'air tellement vrai que je vais finir par y croire. Ah, si nous savions mentir comme ça, nous autres, tiens, la vie serait belle. Oui, et ben c'est justement ce que j'étais en train de me dire, moi. Bon, alors maintenant, mon petit Jean-Charles, je vais vous demander de me laisser seul avec Madeleine. J'ai à lui parler. Elle est rousse aussi, la vôtre? Non, non, elle n'est pas rousse. Encore bravo, et à tout à l'heure. Et dire que ça a été un mariage d'amour. Oui, à ce propos, justement... Vous voulez parler, je... chérie, oui, dis-moi. Allô, oui. Allô, c'est moi. Qui est à la porte? Du Paillon. Allô? Ça y est, il est tombé. Oh, nous sommes désolés, du Paillon, vous n'êtes pas trop fait mal. Mais je vous l'avais dit, courir comme ça sur le verglas, c'est très dangereux. Mais non, vous en veux pas. Mais que voulez-vous? Quand on glisse, on glisse. Comment? On vous a insulté. Quand ça? Oh, c'est toi qui as dit suite à du Paillon? Moi, j'ai dit suite à du Paillon. Dans un état. Oh, c'était du Paillon. Oh, c'est une erreur, du Paillon. Mais ce n'est pas pour vous. On vous adore. C'est ça, reposez-vous. Joyeux Noël, du Paillon. C'est pas ça qui va nous empêcher d'être 14, mais tu avoueras qu'on ne peut jamais compter sur lui. Bon, alors maintenant, Madeleine, attention, la voilà. Elle a une drôle de tête. Quelle tête? Elle a une tête de flagrant délit. Chut, du calme, du calme. Hello, chérie, tu vois, je suis là. C'est une surprise, hein? Même pas. Être fier de lui, tu sais. Il s'est senti brusquement un peu mieux et alors il s'est traîné jusqu'ici pour réveillonner avec nous. C'est gentil. Te voilà un peu rassuré sur sa santé maintenant. Bon, oui, ce n'est pas ce qui lui manque. Mes félicitations pour ce rétablissement rapide. À 10 h, tu te plaignais encore de vertiges et de tremblements dans les jambes. C'est une véritable résurrection. Oui, crois-tu? Ah, je n'en revenais pas moi-même. C'est ce que les médecins appellent une grippe en Nancy. Moi, j'appelle ça se foutre du monde. Et qu'est-ce qui prend la grippe en Nancy? Ça existe, on va te demander un peu l'oursasse. Ah oui, c'est celle qui se soigne avec des infirmières rousses en manteau de bison sur le divan. Sur le divan? Pourquoi sur le divan? Alors ça, qu'est-ce que c'est? Mon voisin mère de Pastorelli, le rouge préféré des rousses. Mais oui, mais c'est moi qui l'ai trouvé sur le divan juste après son départ. Alors, après son départ? Mais vous êtes partis ensemble, imbécile. Oh, je vous ai vu déboucher sur le trottoir. Moi, tu vois, tu te mettrais à toi. Calme-toi, chérie. C'est fini, Jean-Charles. Tu auras tout démoli, tout détruit en un soir. Tu n'es qu'un pauvre lâche. Enfin, chérie, je te jure. Ne me touche pas. Bon, si j'avais un revolver, je te tuerais. Y'en est un. Parfois difficile de retenir son bonheur. C'est un drôle d'animal, ça se débat, ça mord, ça griffe. Tous les trucs lui sont bons pour vous faire ouvrir les mains, et si vous les ouvrez, tout est fini. Il n'y en a qu'un de prévu pour chaque vie humaine. Serrez le vôtre bien fort, Véronique, même si ça vous fait mal. Antoine, tu es bouleversant, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as entendu, il a dit des choses merveilleuses. Recommence. Tu ne me verras plus, Jean-Charles. Non, enfin, Véronique. Plus jamais, Véronique. Véronique, écoute-moi, Véronique. 13. Je suis Monique.
revienne. Qu'elle revienne, c'est à vous d'y aller. C'est vous le coupable. Elle n'avait pas le droit de me dire ce qu'elle vient de me dire. Je vous en aurais dit 4 fois plus si j'avais été à sa place. Filez, courez. Allez vous jeter à ses genoux. Ah, mais vous pensez, ah ben j'aurais l'air faim. Oh, ni plus ni moins que d'habitude. On dirait que vous ne connaissez pas Véronique. Un paquet de nez, une écorchée vive. Elle est capable d'aller se jeter à la Seine, cette gosse. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous plaisantez, à la Seine? Pauvre idiot. Elle me l'a dit plus de 100 fois. Si un jour, Jean-Charles me fait plus. Mais je l'aime! Alors qu'est-ce que vous attendez pour aller le lui crier? Qu'elle soit à la morgue, toute verte et la langue enflée! À la morgue! Vraiment très bien, très bien. Sauf que les gens qui ont la langue enflée, c'est pas les noyés, c'est les pendus. Très juste, mais le résultat est même. Et maintenant, il est en train de courir après elle dans la rue. Elle ne veut rien savoir. Il la prend dans ses bras. Elle a le nez gelé. Il la couvre de baisers. Et puis tout d'un coup, ils vont se mettre à pleurer tous les deux. Hein, comme deux fontaines. Quel joli Noël ils vont avoir, ces deux-là. Viens, Antoine, c'est le moment. Non, à table, non, je veux d'abord te dire... Mais dire quoi? Nous sommes 12. Tout ce que tu pourras me dire en dehors de ça ne présente aucun intérêt. Viens, Antoine, à table. Madeleine, reste quoi? Ici. Alerte! Je suis venu pousser le cri d'alarme. Docteur, regarde-moi, tu as devant toi l'individu le plus valide et le mieux conservé de toute la troupe. Oh, Dieu. Madeleine Villarfier, ce soir il faut le corps. Pourquoi ils s'en vont tous? Pire encore, ils sont champanisés. Oh, l'horrible demoiselle Taburon est assise dans l'évier. Dans l'évier? Qu'est-ce qu'elle fait dans l'évier? Elle chante. Enfin, elle croit qu'elle chante. C'est horrible. Que faire, docteur? Manger. C'est le dernier diagnostic dont je sois capable. Manger ou périr. Et maintenant, je vais épouser la veuve Clicquot. Non, 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 non. Jean-Charles est en train de réclamer mon corps à tous les ponts de Paris. Il remonte le cours de la Seine en sanglotant le beau Jean-Charles. Ah, mon Dieu, faites qu'il aille jusqu'à la source et qu'il revienne avec des cheveux blancs. Bravo! Voilà au moins une Française qu'elle sait aimer. Mais tu es un monstre, il va passer une nuit atroce. Tant mieux. Et savez-vous ce qu'elle fera pendant ce temps, Véronique? Elle réveillonnera. Elle réveillonnera. Où ça? Oui, si! Ah non, jamais! Ah non, c'est impossible! On ne réveille pas quand on a son mari qui remonte la Seine en pleurant. Tu n'en as pas le droit. J'ai tous les droits. Une épouse parfaite ne réveille pas. C'est ce qu'on va voir. Faut rigoler, Annie. Véronique. Cette fois, c'est trop. J'en ai assez maintenant. Je renonce à tout et tant pis. Je m'attends à tout. Ça tombe bien. Antonio, dis-lui. Sinon, c'est moi qui lui dis. Ne te mêle pas de cela, veux-tu? Ça me regarde. On vous tutoyer. Mais pourquoi même qu'elle allait tutoyer avant toi? Alors, Antonio? Tu permets, oui? Mon amour? Oui? Je vais te porter un coup terrible. Tu crois que cette dame s'appelle Consuela Popusco, n'est-ce pas? Eh bien non, malheureusement, elle s'appelle Dolores. Dolores, et alors? Non, ben, tu te souviens de ce qu'elle t'a raconté tout à l'heure? Ce roman qu'elle était soi-disant en train d'écrire? Oui, eh bien. C'est un roman vécu, Madeleine. Pis encore, c'est un roman vivant. Elle est Dolores. Et moi, je suis... Enfin, j'ai été... Antonio El Caballero. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Ça vient. Ne me regarde pas comme si j'étais fou. C'est bien l'ex-gouverneur de Santa Rosalina que tu as devant toi. C'est impossible. C'est pas vrai, c'est un jeu. Toi, Antonio El Caballero. Si, et moi Dolores. Dolores et Antonio. Toi, tu as été cet homme, l'homme de cette femme. Pardon, mon amour. Et pas un mot, jamais. Pendant tant d'années? Je sais, je t'ai menti abominablement. Je t'ai joué la comédie. Je me suis inventé un passé de baronne. Je n'ai pas d'excuses. Ou plutôt si, j'en avais une merveilleuse. Je t'aimais. Parler, c'était te perdre. Imbécile. Et dire que j'aurais pu mourir sans savoir ça. Et alors, tu n'as jamais été dans les phosphates? Jamais. Il était dans la dynamite! Fiche-moi un peu la peine, tu! Il était dans la
dynamite, si. Moi, dans la dynamite, tu penses? Oui, une fois peut-être de temps en temps pour faire comme les autres. C'est le climat qui veut ça. Mais je te jure que ça n'était pas pour mon plaisir. Menteur. Et le pont de Rio de Maranas? Quand tu as allumé les pétards sous le nez des carabineros? Tu as fait sauter les ponts? Si. Un pont, un seul. Et encore, il était haut comme ça. Tu l'as fait sauter quand même. Si, aussi des trains. Des trains de marchandises. Uniquement des trains de marchandises. Et de minifiant, même caillou, la gare a sauté avec. Mon Dieu, la gare aussi. Oh, tu sais, les gares de là-bas, rien à voir avec Saint-Lazare. Ça saute pour un rien. Ça suffit, Antonio. Et toi, écoute-moi. Va-t'en. Oh, moi? Va-t'en, il était dit. Mais madame... Cet homme, il est à moi. Il a été Antonio El Caballero, le héros de tout un peuple. Et toi, tu m'en as volé. Tu n'as pas honte? Je l'ai rendu heureux. Antoine, dis-lui que je t'ai rendu heureux. Mais c'est toi que tu as rendu heureuse. Ah si, oui. Pas Louis. Mais ça ne fait rien, puisque maintenant, il retrouve Dolores et qu'il l'emmène. Vous l'emmenez? Vous voulez emmener mon mari? Tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas me quitter, Antoine, mais je t'aime. Mais moi, tu crois que je ne t'aime pas? Non, mais on est d'accord, on s'aime tous. Qu'est-ce que ça change? Allez, qu'est-ce qui dit que tout vient et tout vient, Antonio? Il te fallait un passé comme à tout le monde, c'est entendu. Est-ce que ça compte, un passé? Le mien, oui. Non, Antoine, tu ne partiras pas. Je vais téléphoner à nos avocats. Et avant que ces gens-là aient réussi à te faire mettre les pieds dans leur tribunal, ils seront tous morts de vieillesse. Mais lui aussi, c'est la mort et pas des vieillesses. Non, mais vraiment, tu nous prends pour des imbéciles. S'il reste, c'est un cadavre. Alors que s'il vient, il est vivant. Et il est gouverneur. Alors qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que je choisis? Qu'il vit, bien sûr. Tu m'aimes donc encore? Encore? Encore beaucoup plus? Antoine, sois lucide, c'est le plus beau jour de ma vie. Si j'avais pu soupçonner avant qui tu étais... Écoutez-moi bien, vous. Si jamais... Je dérange, madame. Oh oui, qu'est-ce que vous voulez? Que madame m'excuse, c'est au sujet du docteur. Oui, bien. Il est sur l'armoire. Sur l'armoire, et alors? Mais c'est tout, madame. Il dit que c'est pour haranguer la foule. Ça vous dérange? Que madame me pardonne, mais c'est la première fois que je vois un docteur sur une armoire. Poussez-moi le corps, c'est clair? Pas clair du tout, non, madame. Écoutez-moi bien, vous. Vous emmenez mon mari? Si, très bien. Seulement moi, je pars avec lui. Jésus Maria, toi? Mais ma chérie, c'est impossible. Là où tu es folle, ou tu prends ça pour une pique-nique? Imaginez tout de même pas que je laisserais partir un homme comme lui. Désormais, je le suivrai partout. D'ailleurs, je suis sa femme. Mais ça a été les malheurs de sa vie que tu deviens sa femme. Tu devrais demander pardon à Zélu. Non, non, ne l'écoute pas, mon amour. Il n'y avait pour moi qu'une seule femme au monde, et c'était toi. Et toi, écoute-moi bien. Je n'ai jamais été El Caballero, tel que tu l'as rêvé. Mais enfin, tu ne fatigues pas, Antonio. Admettons qu'il ait pu inventer El Caballero. Il y a quand même quelque chose que je n'ai pas pu inventer. C'est Zapata Pam. Ça s'est passé avant moi, Zapata Pam. Et en dehors de moi, Zapata Pam. Zapata Pam, parfaitement. Qu'est-ce que c'est, ça, Zapata Pam? On n'a pas le temps de t'expliquer. Ah. Alors, Antonio? Zapata Pam n'a pas plus existé que le reste, Dolores. Quoi? Pas existé? Ça fait sauter les vitres autour de 20 km. Pourquoi? C'était l'usine à gaz. Tu veux que je te dise ce que ça a été, ça va pas parler exactement? Mais c'est pas la peine, écoute, tout le monde le sait. Pas moi. Soit tu te tais. Un phénomène d'hallucination collective, rien de plus. Ce que vous avez tous pris pour le geste d'un héros solitaire n'était finalement que le résultat d'une maladresse, la mienne. À cette époque, je cherchais de l'or dans votre foutue blé. Et on m'avait affirmé que j'en trouverais dans la Sierra, au nord de Zapata Pam. J'y vais, je repère le coin, et je colle trois grosses caisses de dynamite sous un rocher pour le faire sauter. Patapoum, c'est Zapata Pam qui saute! Ne plaisante pas avec ça, Antonio, c'est sacré, tu sais. Ah, si tu fais allusion à la dynamite, je te donne entièrement raison. La charge était 10 fois trop forte, et j'ignorais qu'il y avait 30 tonnes de nitroglycérine dans les souterrains du dépôt. Bon Dieu! J'ai cru que c'était la fin du monde. J'en suis resté sourd et abruti pendant une semaine. C'est pas vrai! Ça ne peut pas être vrai. Ça ne s'invente pas, Dolores. C'est trop difficile à avouer. Même après tant d'années. Alors c'était ça. Rien d'autre, Dolores. L'homme merveilleux que tout un peuple s'est jeté à ses genoux et que j'ai aimé tellement plus que ma vie, c'était ça. Un imbécile qui jouait avec un loumette.
Définition à peu près exacte, hélas. Il y a pas 10 000 kilomètres pour apprendre ça. Toi, l'homme des Apatapam, qu'il avait placé au-dessus de tout. Il y a de l'errant. Il y en avait plus. Tant mieux. J'en veux encore, moi. Reste avec lui. Non, dire qu'il avait pensé à te tuer, idiote. Mais tu étais déjà mort les jours de ta naissance. Merci, Dolores. Bonne chance. Et oublie-moi. C'est déjà fait. Vous partez? Si. Et comme ça, tu es 12 à table. Tu es content? Merveilleux, mon amour. Moi? Mais je n'ai rien fait. Merveilleux, j'ai tout compris. Mais tout compris quoi? Rends-moi la bombe, c'est plus la peine maintenant. La quoi? La bombe. Dépêche-toi, ça va sauter dans 5 minutes. Ça va sauter, la bombe? Quelle bombe? Il y a une bombe ici. Oh, mon amour, je le saurai, le ménage est fait à fond. Mais tu sais toujours tout, toi. Tu sais les petits cadeaux qu'il était donné pour Noël. Tic-tac, tic-tac, c'est ça. Enfin, madame, vous ne m'auriez pas à faire une bombe pour Noël? Ça ne se fait pas. Attends, tu verras. Ma tête, c'est sérieux. Oui. Une bombe là. Où est-elle? Où est-elle? Je l'ai rangée, je ne sais plus. Du calme. Reprends-toi, réfléchis, concentre-toi. Où est-elle? Sur l'armoire. Non, c'est le docteur qui est sur l'armoire. Je comprends tout. Moi, j'ai ma tête, ça va sauter. Ma tête. Oh, ça, au moins, on peut dire que c'est une femme qu'on peut compter sur elle dans moments difficiles. Et voilà. Tu peux respirer maintenant. Elle est désamorcée. Tu en es sûre? Si. Finalement, il n'y avait que toi qui pouvais vraiment tuer El Caballero. C'est fait. Maintenant. Et tu ne peux toujours pas me serrer la main? Non, Antonio. C'est trop ou pas assez. Adios. Dolores! Il y a encore une chose qu'il faut que tu saches. Y'en sais déjà tellement. C'est quoi, celle-là? C'est que... il y a des moments près de toi où j'ai été follement heureux et follement brave. C'est vrai? Oui. Alors, je veux bien te serrer la main. Quel dommage. Chérie. Madeleine, ma chérie, Madeleine. Elle est partie? Oui, oublie-la. L'oublier? Oui. Jamais. Sans elle, j'allais passer à côté d'un grand bonheur. Mon chéri, mon héros. Ah non. Ne commençons pas à chiper les jouets des autres. Comment? Je ne suis pas héros. Tu as été le sien. Tu veux bien être le mien. C'est tellement plus facile d'aimer quand on admire. Laisse-toi aimer, Antoine. Tu es merveilleux. Tu as toujours été merveilleux. Tout à l'heure encore. Oh, tout à l'heure, moins que jamais, hélas. Elle a marché, la pauvre femme, moi pas. Moi, je savais. Mais tu savais quoi? Le coup de Zapatapam, c'était pour qu'elle s'en aille, pour qu'elle renonce à toi. Mais je le sais. Tu l'as vraiment fait sauter, leur bouteille de glycérine. Comment? Comment, Madeleine, je t'en supplie, ne recommençons pas. Je te jure. J'aime ça, je t'aime. Laisse-toi aimer, tu vas voir. Tu vas voir comment je vais t'aimer maintenant, mon Antonio. Madeleine, appelle-moi Antoine. Je pense que pendant des années, je t'ai pris pour un poussin. Tu es un aigle. Non, un poussin. Tu fais pour la lutte. Non. Tu vas lutter maintenant, Antonio. Tu vas multiplier tes usines, tu vas écrire tes mémoires, tu iras à la chasse aux sangliers, tu feras des safaris et tu te présenteras aux élections. Moi, jamais! Tu me raconteras tout ce que tu as fait en Amérique du Sud, quand tu faisais sauter les trains, exploser les gares, dérailler les ponts. Tu m'en diras tout. Chaque jour, chaque nuit, nous en aurons pour toute une vie. Tu vas voir, Antonio, comment nous allons... La maison brûlée. Ensuite, à la fin, ça, je ne peux plus. Moi, je le tiens. Donne. Allô, ici Madeleine Villardier. Écoutez-moi bien. Maison brûlée.
Nous deux, c'est fini. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous, c'est clair? Oui, alors ça, c'est peut-être un peu dur. Ce qui me prend, il me prend que j'aime mon mari, voilà tout. Mais ça ne les regarde pas! Pourquoi? C'est un héros, lui. Il a fait sauter des trains, exploser des gares, dérailler des ponts. C'est l'homme de Zapadapa, mais je l'aime. Non, non, mais tu es folle! Et lâche ce téléphone! Et je l'aime. Madeleine! Et je l'aime. Ça, alors, qu'est-ce qui t'a pris? Racontez ça à la maison premier. Dire à quelqu'un, c'est tombé sur lui, c'est tombé sur eux, c'est très bien comme ça. Il n'y a plus que nous deux sur la terre. Que madame me pardonne, on m'a poussé. À la soupe. Alors, vous vouliez me dire quelque chose? Alors, Frédéric, dites-le. Madame est servie. Ah, la merveilleuse nouvelle, à table, mes amis, la vie est belle, nous sommes 12. On s'en fout. Ne dites pas ça, docteur, si vous saviez le mal que ça m'a donné. Thanks.